d'intégrement. Voilà ton nom que j'ai appelé. Sors. Sors me clasher. Sors me clasher. Tu parles d'une départ. Pour l'instant, c'est toi qu'on a filmé en train de sniffer. Personne n'a une photo de moi en train de fumer. C'est toi qu'on a filmé en train de sniffer. Faut pas venir inverser les choses dans la vie. Tu vas parler de quoi? Tu vas dire quoi sur moi? Qu'il faut pas faire? Je vais faire. Écoutez là, hein. Oui, tu as raison. Je n'ai pas un faux profil. J'ai plusieurs profils. Et avec les autres profils là, je suis venue t'écouter comme tu m'as bloqué. Il faut dire aux gens que tu m'as bloqué. Tu as peur de quoi? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu me bloques? Pourquoi tu me bloques? Moi, je me suis seulement désabonné. Tu me bloques. Ça fait mal. C'est celui qui a le plus mal là, qui réagit comme ça. Tu me bloques. Et ma grande sœur chérie de mon cul. Ma grande sœur chérie, je te pète à la gueule. Je te pisse à l'arrêt. Tu ne peux rien me faire. Je n'ai pas peur de toi non plus. Et je ne t'ai jamais supplié. Tu m'as supplié. Tu m'as supplié hier. Tu m'as supplié aujourd'hui. Pardon. Yui, envoie-moi l'audio là dans ce téléphone-ci. Elle se prend pour qui? Ça va aller où ça doit aller. Je n'ai pas peur de toi. Tu vas sortir dire quoi sur moi? Que tu m'as présenté une policière? Et alors? Et alors? C'est tout ce que tu as sur moi. C'est tout. Et je vais casser le papeau. Comme ça, tu n'auras plus rien. Parce que c'est un papeau que j'avais déjà cassé ici. Donc, je vais casser le papeau. Je vais casser ça maintenant là. Tu n'auras rien à dire sur moi. Tu m'appelles ma squelette. Le squelette que tu as envie, tu aimerais me ressembler. Tu aimerais vraiment me ressembler. Mais tu ne peux pas. Tu vas boire des kilos et des kilos de thé. Ton ballon d'eau chaude que tu transportes là devant toi, ça va rester avec toi. Non, envoie sur le téléphone si c'est ici. Maman, ton ballon d'eau chaude là, que tu trimbales avec toi partout, ça va rester sur toi. Tu aimerais me ressembler, je comprends la rage, je suis mince. J'ai eu deux enfants comme toi. Je suis mince, je suis toujours belle. Je m'en sors bien. Mon nom n'est pas versé dehors. Il n'y a pas de photo sur moi avec le départ. Il n'y a pas. Toi, il y a. Toi, il y a. Que oh, tu penses que tu es quoi? Moi, monsieur de Boloba comme toi. On va se faire ça. Hein, Mojang? Viens t'asseoir. Prends place. Jusqu'à ce que tu te permets. Elle se permet de venir dire que je vais te faire disparaître les réseaux. Tu as fait disparaître qui? Depuis que tu brailles là partout sur Kenkam, tu l'as effleuré. Tu l'as effleuré. Et elle dit un truc, hein. Quand elle dit que tu es pareil que Kenkam, elle a dit un truc. Elle a dit un truc de ouf. Elle a dit ceci dans sa vidéo qu'elle vient de faire là. La petite vidéo où personne n'a voulu te mettre les étoiles là. Tu n'as pas encore lu le. Tu vas lire le. Je t'ai dit que ce que tu m'as fait là. Ce que tu m'as fait là. Moi, je suis des bolos. Qu'elle soit des bolos ou de où même, je m'en fous. Ça prouve que je ne m'intéresse même pas à sa vie. Si elle ne connaît même pas d'où elle est, ça veut dire qu'elle m'en fout de sa vie. Tu comprends? Je m'en fous de sa vie. Tu comprends? Oui, je renie mes origines. Toi, tu es là, hein? Dès que je parle, tu es là, là. Sale ingrate! Veuve de Grébel. Tu peux dire quoi sur moi? Tu peux dire quoi sur moi? Veuve de Grémouton. Veuve de Grémouton. C'est à toi que je parle. Voilà. Et ça ne choque pas. Tu vas me faire quoi? Je vais casser le papeau. Ce que tu penses avoir sur moi, je vais casser ça pour te donner. Tu as compris? Fumbap. Mouf! Tu penses que tu peux effrayer une petite fille de maquisard? Tu sais d'où je viens? Tu peux m'effrayer, toi? Tu sais d'où je sors? Tu ne me connais pas. Veuve sans confiance de mon cul. Non, le direct ne sera pas long. Je voulais lui dire que... Je voulais te dire que... J'ai reçu ton message et voici ma réponse. Fuck you! Sors ce que tu veux sortir. I said again.
Fuck you for the record. Sors ce que tu veux sortir. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Je n'ai même pas fini ta vidéo. Je me suis arrêtée à la partie où tu as dit que ce que Coco Kwotu est en train de vivre là, c'est ce que tu vas me faire. Tu vas aller porter plainte. Tu connais le nom de mes enfants? Tu vas aller dire quoi sur mes enfants? Tu les connais? Vous entendez? Elle dit qu'elle va m'amener là où on a amené Coco Kwotu. Maudite que tu sois. Tu as oublié ta vidéo qui trimballe partout? Où tu demandes à ta petite fille de dire pétasse? Moi-même, je vais aller donner ça. Dès que je vais recevoir ma convocation, je vais partir là-bas avec ta part de vidéo. Tu vois un peu? Elle va publier mes nudes. Quelle nude? Qu'elle publie? Elle a quelle nude de moi? Elle a pris ça où? Moi, elle lui a envoyé mes nudes un jour. Qu'elle publie les nudes de qui elle veut. I don't give a damn fuck. Elle publie, si elle reconnaît mon visage dessus, je vais lui porter plainte. Moi, je ne pars pas loin. Et elle va attendre là, le truc de son mari qu'elle attend là. C'est moi, elle va manger ça. Vous êtes malade. C'est vous qui êtes pathétique de supporter une malade mentale comme ça qui vient menacer mes petits-enfants pour rien du tout. Elle l'a dit, si vous ne me croyez pas, attendez. Je vais chercher la vidéo, elle, c'est compliqué. Vous allez écouter, est-ce que moi je parle, je n'invente rien. À moi, un bordel comme ça, tu vas parler à qui? Ne me pousse pas à aller loin, hein. J'ai même encore pitié de toi, hein. Qu'elle va t'amener, où tu vois, où Coco Kwotu, hein? Tu sais comment on rédige une plainte? Choigne. Tu vas amener qui où? Tu sais rédiger un truc? Tu vas m'amener où? Tu peux m'amener où? Niamrodé, tu étais ton fuck up, salope. Moi, une sorcière comme ça, là, tu penses qu'elle peut avoir peur de toi? Moi, je peux avoir peur de toi? Te voilà qui est sorti, tu fais les vidéos, tu as les 400 étoiles, tu as les 100 étoiles, tu as les 200 étoiles. Tu ne comprends pas? Tu ne comprends pas? Elle dit qu'elle m'a eu, c'est la honte. Elle a eu quoi sur moi? C'est toi qui es malheureuse. Tu m'as enlevé quoi? Tu ne m'as rien enlevé. J'ai prouvé que je suis une fille qui a un bon cœur. Et toi, tu as prouvé que tu es une salope qui ne sait qu'utiliser les autres. Donc, tu me donnes raison. Sinon, toi, là, tu pourrais m'apporter quoi? Hein? Tu pourrais m'apporter quoi? Moi, une connerie comme ça, là. Venez écouter. Ça. Il y a quelqu'un qui peut. La petite chose, là, parce que je ne veux pas la répondre. Il ne veut pas la répondre. N'est-ce pas, tu as dit que tu ne me réponds pas parce que c'était rabaissé. Maintenant, tu dis que la petite fille là pense que je ne vais pas la répondre. Mouf! Tu réponds à qui? Viens te justifier. Tu réponds à qui? Je ne la laisse pas tranquille. Dis-lui de me laisser tranquille. Vous allez me faire quoi? Ça pas que vous soyez vous-même. C'est quoi avec toi? Écoutez, hein? Faites ce qu'on appelle que clasher. Je veux. Écoutez comment elle a menacé mes enfants. Toi, Hora. Toi, et t'insulte, Hora. Sale manipulatrice, ingrate que tu sois. Tu crois que tu m'as fait quoi? C'est à toi-même que tu as fait, idiote. Qui va gérer ta page? Oui, je devais finir avec elle, pas elle. Comme ça, je finis dans ce milieu en pompon. Après, je les laisse dans les toilettes dans lesquelles elles sont. Je les laisse dans la merde, dans le cabinet dans lequel elles sont. Voilà, je finis d'abord avec ton fuck up. La boucle sera bouclée ainsi. Ça ne chauffe pas. Laissez mon nom tranquille. Tu es qui toi? Je te vois. Putain de bordel. Je n'ai pas encore envie de parler. Allez, dis là que moi. Il ne crie pas sur l'étoile. Je dis qu'elle même avec mes mains, je te tape. Tu ne me connais pas très bien. Après, là, tu joues à quoi là? C'est moi que tu connais. Tu es plus petite de taille que moi. Tu penses que tu peux me taper? Quand tu vois quelqu'un mince comme ça, il faut demander si c'est la naissance. Hein? Viens, mes ouïri. Je vais ton ventre là, j'ai percé ça. Faut venir. Tu as rempli, non? Faut venir, yep. Je vais te mettre ça et m'asseoir sur ta face. Et je vais te pisser dans la gueule. Et personne ne va rien faire. Faut venir. Faut me trouver d'abord. Bah, et fréquente pas les endroits que tu fréquentes. Le problème? Tu connais le problème de la tâche de Monaco? Ça va attaquer la veuve joyeuse. Tu connais mon état? Une fille basse femme n'a jamais peur. Merci de leur dire ça. Tu connais mon état. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Tu es de ma famille? Tu es de ma famille? Je suis maigre. Allez lui dire de tester alors. Vous allez confirmer.
Allez lui dire de venir tester les eaux. Voilà. Je ne sais même pas ce qui se passe sur la toile. C'est depuis ce matin que j'ai mangé, où on m'a donné des petits compliments là que je me sens un peu bien. Tu ne fais que m'insulter, m'insulter. Je n'ai pas peur des clash. Alors, ma squelette, ton nom c'est ma squelette. Parce que quand on te voit, on sent la dépression à toi. Je t'ai tendu la main. Ah bon? Elle m'a tendu la main. Je me demande quelle main. Je cherche encore ce que tu as mis dans ma main là quand tu m'as tendu la main. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Tu m'as tendu la main et tu m'as donné quoi? Tu m'as apporté quoi? Tu m'as tendu la main. Quelle main? La patte, oui. Tu m'as tendu quelle main? Sorcière, tu peux me tendre quelle main? Intéressé que tu sois, tu peux me tendre quelle main? Soigne. Son nom, Alice, que j'ai dit que son nouveau nom, c'est ma squelette. Que si maintenant elle veut les cacher, hein, moi j'entre dans les caches avec elle. Oui. Voilà ce que je vois maintenant. Donc tu n'étais pas encore en clash? Saleté d'hypocrite que tu sois. Donc tu n'étais pas en clash? Elle qui disait hier, on ne menace pas de retirer les enfants dans le direct de la reine Mère Dieu. Des sapats comme ça. Quand c'est pour faire mal à Flo, oui, elles vont se faire passer pour des anges. Vous êtes toutes pareilles. Vous êtes toutes pareilles. Je vais traiter ton fuck up et tu ne vas rien y faire. Le papa que tu penses que tu as là, il est cassé ça tout de suite pour leur donner. Tu comprends? Tout de suite. Tout de suite. Je n'arrivais pas à avoir un rendez-vous à la préfecture. D'ailleurs, je vous en ai parlé ici une fois. Parlez-moi, ne cache pas. Je n'arrivais pas à avoir les rendez-vous à la préfecture. Ça devenait très compliqué, les rendez-vous à la préfecture, il y a quelques mois là. Elle m'a présenté une gars qui est flic. C'est même pas qu'elle me l'a présenté, parce que moi, je suis pas venue lui raconter mon histoire. Si, je vais dire. Parce que je n'ai pas honte de ça. Parce qu'elle pense qu'elle me tient à ça. Il ne faut pas qu'elle vienne fabriquer autre chose. Mieux, je donne ma version. Tu comprends? Mieux, je donne ma version. Je vais dire. Et rien ne va faire. Parce que je ne dois rien à personne. Je ne vous dois rien. Et j'assume ma vie. Je ne suis pas comme vous à m'inventer les héritages qui n'arrivent pas depuis 72 là. Moi, je suis fière de ma vie et de mon parcours. Tu comprends? Il y avait les problèmes pour avoir un rendez-vous à la préfecture. Le jour où j'étais chez elle, la dame là est venue. Ce n'est pas que moi, elle lui a expliqué mon problème à elle. Jamais. La dame là est venue. Et du coup, la dame est restée avec nous. On a Joss et tout. On était resté là jusqu'à tard. Et tout. Le courant est très bien passé avec la dame. Elle m'a dit que mais la femme, ça fait longtemps, elle m'a pas call. Ça fait longtemps, je l'ai pas eu. Et tout, et tout. Elle wonder. C'est quand j'ai su ce que la dame faisait et tout, que j'ai commencé à lui exposer mon problème. Si la femme là n'était pas entrée chez toi, tu n'allais jamais connaître quoi que ce soit de moi. Laisse-moi te dire ça. C'est par rapport à elle que j'ai parlé. Parce que elle, ça se voit que c'est une femme qui a une éducation, tu vois. Elle-même, elle ne connaît pas ce que tu es vraiment. Quand elle va se rendre compte de ce que tu es, elle va t'abandonner dans ta merde. Parce que tu passes ton temps à manipuler les gens. Les gens pensent que c'est toi la victime, alors que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tu te fais passer pour victime pour toujours attirer la sympathie des autres. Il faut arrêter la sorcellerie. Je me suis confiée à cette dame-là. Ce n'était pas à toi. C'est parce qu'elle savait qu'elle peut résoudre mon problème que j'ai parlé. Que bon, il faut qu'elle n'aille pas mourir ici parce que j'ai peur de celle-là. Si elle ne veut pas dire, c'est un problème normal. Je n'ai pas honte de ça. Et j'en avais déjà parlé ici en direct avec mes scarabées. Que j'avais des difficultés à obtenir un rendez-vous à la préfecture. Maintenant, c'est dit, salope. J'ai encore parlé de moi. Maintenant, c'est dit. Elle m'a présenté cette dame-là qui, elle, m'a envoyé chez quelqu'un d'autre. Et je suis allée voir la personne. On a discuté. Et mon problème a été résolu. Tu as encore quoi? À part ça là, tu vas encore dire quoi? Sur moi. Quoi? Vous allez inventer les choses que vous inventez tous sur les gens. C'est la seule chose que je lui ai confiée. J'avais les problèmes à renouveler, à prendre rendez-vous pour renouveler mes kaolo. Je ne suis pas née avec le kaolo. Je ne suis pas venue ici en France avec. Vous avez compris, je suis venue avec un visa. Ce n'est que ça qu'elle a. Mais vous pensez qu'elle allait sortir, dire quoi?
Elle a, c'est ça qu'elle dit qu'elle m'a présenté des gens. C'est de ça qu'elle parlait à cause de la dame là, la dame flic là. Tu penses comment on peut m'intimider, salope? Même si j'ai dormi avec ton père, je suis capable de venir le dire. Si vous n'allez rien me faire. Tu comprends? Je t'ai dit et je répète, je sais ce que tu voulais me demander ici en rentrant de Paris. Ce que Natacha a fait pour toi là-bas. Je sais ce que tu voulais me demander en rentrant de Paris, en rentrant sur Paris ici. Que tu ne voulais pas parler au téléphone. Je sais. Je garde ça au chaud. Je garde ça au chaud. C'est la dame là qui m'a présenté, c'est tout. Elle ne m'a présenté personne d'autre. Elle ne m'a présenté personne d'autre. Donc, je ne sais pas de quoi elle parlait, qui était présentée, les gens. Tu m'as présenté encore qui? Les gens que tu avais promis, les gens avec qui tu avais promis de me mettre en contact, tu ne l'as pas fait. La dame là est arrivée chez toi par hasard. Et c'est moi qui ai commencé à lui exposer mon problème quand j'ai su qui elle était. Sinon, tu ne l'as pas appelée pour exposer mon problème sous prétexte que je la connais. Je ne t'ai jamais expliqué mon problème. C'est à cause de cette femme que je ne vais pas citer ici. Elle n'a qu'à verser tout ce qu'elle veut. Elle n'a qu'à verser tout ce qu'elle veut. Moi, je n'ai jamais envoyé mes nudes à la veuve. Donc, si elle a mes nudes, c'est qu'elle a allé chercher ça ailleurs. Si elle a mes nudes, c'est qu'elle est allée chercher ça ailleurs. Et moi, je vais enregistrer cette vidéo. Tout de suite, là. Je vais l'enregistrer, cette vidéo. Je vois menace. Ouais, menace mes enfants. Ça me donne la force. Tu es malade. Depuis que je ne veux pas. Je ne veux pas. Je t'ai rien fait aussi là. Ah bon? Ma squelette. Ma squelette. Tu es seulement sorti, dit que je voulais voler ta page. C'est tout, hein? Tu m'as rien fait. Tu es seulement parti raconter aux gens que je te raquette, salope. Contact les réseaux sociaux. Si tu veux que les gens te trouvent vraiment là avec toi. Écoutez. Attention, hein. Vous avez entendu. Je suis une cacheuse. Mais, ce que je veux révéler, c'est toi. Ce que je veux dire, c'est toi aussi, là. Je ne pense pas que ma squelette, tu vas te révéler. Je peux te faire ça parce qu'on vient. Parce qu'on fait à coco et tout en ce moment. Si moi, je te fais ça, bim. Vous avez entendu. Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu? Quoi? Attention, je suis une cacheuse. Mais, ce que je veux révéler sur toi, ce que je veux dire sur toi aussi là, je ne pense pas que ma squelette, tu vas te révéler. Je peux te faire ça parce qu'on vient, parce qu'on fait à coco et tout en ce moment, si moi je te fais ça en bim. Tu vas oublier que j'ai des enfants. Ah. Tu attends. Je te répète. Je te sors déjà. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Je vais oublier que j'ai les enfants. Tu ferais mieux d'oublier. Parce que moi, j'ai la vidéo où tu apprends à ta petite fille à dire pétasse. La vidéo est sur Facebook. La vidéo est sur Facebook. Méchante créature que tu sois. Quand Ducamer a exposé cette vidéo... Là où Ngossa est venu se moquer de toi avec lui sur sa page. Là où tout le monde était dessus. Même Antoine Bachot a posté ça. Moi, je suis sortie te défendre. Tes amis là étaient où? Sapac. Sors ce que tu as sur moi. Poubelle. Tu as compris? Sors ça. Et on passe à autre chose. Même si tu me déshabilles. Même si tu me déshabilles. Tu sors ma nudité. J'aurai encore plus de suiveurs parce que je suis une belle femme. Tu comprends? Ce que, clairement, tu n'es plus. Parce qu'on dit que tu étais belle avant. Moi, je n'ai pas vu. Dans tous les cas, là, aujourd'hui, là, ce n'est plus ça. Tu peux sortir mes vidéos. Tu comprends? Je suis belle. Je n'ai pas à rougir. Tu comprends? Je n'ai pas à rougir. Je n'ai pas à rougir. Le clash vous a dépassé. Maintenant, c'est que vous allez partir sur les enfants. Je t'attends. J'attends la convocation des enfants ici. J'attends ça. Parce que je ne sais pas ce que tu vas dire sur mes enfants. Tu n'es jamais venu chez moi. Donc, tu es une menteuse. On sait que tout ce que tu vas sortir là, ce n'est pas moi. Je ne t'ai jamais envoyé mes nudes. Donc, je ne sais pas ce que tu vas aller sortir sur moi.
Je t'ai jamais envoyé mes nudes. Donc, si tu pas sorti quoi que ce soit, c'est écrit ici, je retiens tous vos commentaires et toutes les vidéos là, je vais les garder. Je vais les garder et vais traiter ton fuck up une bonne fois pour tout sur cette toile. C'est moi qui serai ton terminus, salope. Tu as compris? Je t'ai prononcé et je vais faire écouter aux gens. Parce qu'il faut que les gens écoutent, c'est pour me défendre. Oui, si jamais il y a un retour, je me défends, monsieur les policiers. J'ai aidé cette dame gratuitement à monétiser sa page, un service qui est payant. Je ne la connaissais de nulle part. D'accord? Et elle a dit que moi, j'ai voulu voler sa page. Elle l'a dit publiquement. Elle a dit publiquement que j'ai voulu saboter sa page. Que j'ai voulu saboter sa page. J'ai voulu faire quoi sa page? Je dois prouver que c'est faux. Je dois prouver, d'accord, que je n'ai jamais eu l'intention de voler sa page. Je dois prouver que je ne lui ai... Elle m'a accusé publiquement. Elle m'a accusé publiquement. S'il vous plaît, faites les captures de la vidéo là. Moi-même, je vais aller faire. Elle va supprimer ça quand? Je vais aller prendre ça. Elle a affirmé que moi, j'ai essayé de voler sa page. Que moi, je sabote sa page et que je lui fais du chantage. Par rapport toujours à la même page. Donc, je vais prouver. Attendez. Mais vous êtes stupide, hein? Waouh, Ennis, je suis dépassée. Ils sont bêtes. Vous parlez les choses de Mbeng alors que vous êtes dans vos tiers mondes, le Touara. C'est justement parce qu'il y a du chauffage que je transpire, bande de teubés. Idiot que vous soyez. Elle se fait toujours passer pour la victime. Elle se fait passer pour la victime. Donc moi, je dois me défendre quand on m'accuse d'avoir, comment dire, quand on m'accuse de vol. Quand on m'accuse de chantage, de sabotage, c'est très grave. Et ce que tu es devenu à ce moment, bah, il faut laisser. Maman, comment tu veux me dire comment? Et ce que tu es devenu à ce moment, bah, il faut laisser. Maman, comment tu veux me dire comment tes faiblesses? Laisse-moi. Oh, continue de te joie. Tu veux que je fasse quoi? Regarde mon état. Je n'arrive pas à arriver jusqu'à la pause, je n'arrive à rien faire, ma. Je n'ai même pas le goût de la vie, je ne mange même seulement pour manger. Je ne suis pas bien dans ma tête. Je ne suis pas bien, ma. Ne me fais pas ça. Tu dis que tu me laisses avec qui? Tu me laisses pourquoi? Je te fais quoi? Ouais, ma. Faut pas tu être négatif dans la vie comme ça, hein. Tu veux que je dise quoi? Tu veux que je fasse quoi? Laisse le pouvoir. Attends, je demande à quoi t'as demandé les excuses là. Je vais me demander qu'elle fasse. Elle a très bien fait une petite vidéo pour te demander les excuses que, ouais, ma soeur. Je ne sais pas si ça passe comme ça avec des vaquines. Tu vois, c'est fini. Tu vois, pardon, finissons l'histoire là, ça finit. Bah, tu veux te dire, moi, je t'aime beaucoup. Hein. Je t'aime comme une petite sœur. Je t'aime beaucoup. Mm-hmm. Donc, là, tu sais, une bonne relation à deux. Mm-hmm. Tu ne veux pas que les aides, les réseaux sociaux viennent se bouquer de nous encore. Hein? Ce n'est pas bon. Pense à ta réputation, regarde comment tu chantes bien. Hein? Regarde comment tu chantes bien, ma sœur. Maman, dis à moi, pardon. Fais ça pour moi, reste avec moi. Tu me laisses encore avec qui? Est-ce que tu as appris que j'ai parlé mal de toi quelque part? Les gens affamés dans les réseaux sociaux. Oh, bon, ça me fait mal, hein. En tout cas, prends le temps de bien réfléchir. Moi, je suis avec toi. Bonne fin de soirée, bonne fin de journée. Voilà la personne à qui est fait le chantage. Voilà celle à qui je voulais voler la page. Qui est en train de me supplier que tu me laisses à qui? Tu disais ça hier, ça c'est hier soir. Hier, avant de faire les sorties qu'elle a faites là, elle me disait ça il y a quelques heures avant. Elle m'a envoyé ça à 15h26. Exactement. Tu m'as envoyé ça hier à 15h26. Je n'ai pas répondu. Et le soir, tu as allumé ta caméra
pour me traiter de voleuse de page. Ouais. Vous l'avez entendu, non? Oh, c'est les gens qui veulent, c'est les gens qui veulent nous séparer. C'est toujours les gens. C'est toujours les gens. Refusez qu'elles excusent. Je n'ai pas reçu d'excuses. Ça, c'est ce qu'elle dit dans l'audio. Moi, je n'ai pas vu les excuses. La personne ne m'a demandé les excuses où je suis ici. Moi-même, j'avais dit ici que si Natacha me demande les excuses, j'accepte ses excuses, ça finit. Personne ne m'a demandé les excuses. Donc, c'est pas parce que vous entendez dans l'audio que ça s'est passé. Personne ne m'a demandé d'excuses. Que pas ce qu'on fait à Coco Koutou. Donc, elle connaît. Et c'est ce qu'elle veut me faire. Sauf que tu n'as pas d'éléments. Tu n'as pas d'éléments. Tu vas dire quoi sur moi? Bref, je voulais vous faire écouter ça. Partagez partout jusqu'en Colondome. Moi, je pars maintenant sur le live de ma grande sœur Karine. Veuve joyeuse, toi et moi sur la page, sur la toile-ci. Sors tout ce que tu as sur moi. Je te fous en prison. Et je vais rendre service à beaucoup de Camerounais. À travers toi, il n'aurait aucune pitié pour toi. Aucune. Tu as parlé de mes enfants. Ok, allons-y. Tiens-toi prête. Tiens-toi prête. J'ai écouté Natacha dans le direct de la veuve hier. Elle s'excusait auprès de toi. Et moi, je suis là-bas dans son direct. Vous êtes malade. Le direct de la veuve, c'est ma maison. C'est où je dors. Sa page, c'est ma maison. Vous êtes, on vous a dit que j'écoute ces bêtises. C'est quand on m'envoie. C'est quand on m'envoie. On vous a dit que moi, je ne peux pas m'asseoir là-bas. Quand je vais souvent là-bas, c'est pour aider dans ces trucs à modérer, pour arranger ce que je peux arranger. Quand j'ai une minute, vous pensez que je suis passionnée par son contenu? Elle raconte quoi? Elle raconte quoi? Vous croyez que son contenu me passionne pour que j'aille m'asseoir là-bas? Pour écouter quoi? Hein? Pour écouter quoi? Pour écouter quoi? N'importe quoi. Connasse. J'attends ce que tu vas faire. Oui, je cherche la visibilité derrière elle et je vais prendre ça. Comme ça, je vais me rembourser les 6 mois de travail, d'esclavage là. Chouine que vous soyez. J'attends ça. Les personnes mentalement instables ne peuvent pas faire la prison. Il faut déjà prouver qu'elle est mentalement instable. Quand tu es mentalement instable, tu es suivi. Jusqu'à preuve du contraire, elle n'est pas suivie quelque part. D'accord? Voilà. Vous pensez que vous faites à qui? C'est avec ça que vous voulez maintenant nous empêcher. Donc, on doit la laisser faire ce qu'elle veut. Et puis, on va pas aller porter plainte parce qu'elle est mentalement instable. Mais vous êtes malade. Elle dit qu'elle va me faire ce qu'on fait à Coco Koutou. Ce qu'on fait à Coco Koutou. On fait quoi à Coco Koutou? On lui fait quoi? Tu vas faire quoi? Tu connais ma maison? Ou bien tu vas aller aussi appeler à la police pour inventer des choses. De toute façon, tu peux le faire. Hein? Mais assure-toi que ce que tu dis est vrai. Parce que quand moi, je vais leur prouver que c'est faux et prouver que c'est toi qui es derrière ça et donner alors comment, je vais leur montrer que voilà comment elle éduque sa petite fille. Voilà les choses qu'elle demande à sa petite fille de parler. Donc, on va mettre une mesure d'éloignement entre toi et l'enfant là. On ne va pas la prendre. On va obliger tes enfants à t'éviter. Parce qu'elles ne doivent pas garder l'enfant dans un environnement compliqué. Tu comprends? Qu'elle continue de dire que j'ai voulu voler sa page, c'est son problème. Qu'elle prouve que j'ai voulu voler sa page, c'est tout. Moi, je suis sortie de sa page. Comme je suis intelligente et maligne, je suis venue poster, j'ai mis ça pour que tout le monde sache que ce n'est plus moi. Au cas où, si quelque chose se passait encore là et que j'étais encore là-bas, on allait dire que c'est moi qui gâte la page. Merci Banjounaise de rétablir la vérité des sales hypocrites qui viennent mentir ici. Elle n'a pas demandé des excuses. Elle a plutôt insulté Oshiga. Regarde-moi le sapaxi. Elle s'est excusée. Les gens veulent. Les gens veulent. Les gens veulent. Les gens, c'est toujours les gens. Vous êtes innocents de tout. Vous n'êtes responsable de rien. C'est toujours les gens qui veulent. Elle va emmener donc les gens là avec elle quand on va aller au commissariat.
tente de sortir un nude de moi. Moi, je ne sais pas où tu vas aller chercher ça. Hein. Mais si jamais tu trouves ça, tente de sortir ça. Tu vas voir. Déjà, les photos de comment elle s'appelle? Les photos de... Comment elle s'appelle? De Reven Biaï et de Lolo Beauté, Lolo Fodia, que j'ai ici. Moi, je pars avec ça à la police. Et je leur ai dit que tu es dans un réseau qui fait le chantage aux gens et que tu m'as envoyé ça pour que j'expose. Tu vas lire. Vous ne me connaissez pas, hein? Tu vas lire. J'ai les photos ici des gens que tu m'as envoyé alors que je ne t'ai rien demandé. Elle m'a donné 100 euros deux fois. Elle m'a reçu chez elle une fois. Une fois. Et on avait fait le direct le jour-là. On avait fait le direct le jour-là où j'étais chez elle. C'était une fois. Une et unique. La première fois qu'on s'est vu, c'était au restaurant sur les Champs-Élysées. J'ai fait un direct. La deuxième fois qu'on s'est vu, c'était chez elle. J'ai fait un direct. Il n'y a pas eu de troisième fois. Dégrément, arrête de mentir. Aïe, Seigneur. Mais tu es malade, hein? Tu es malade, hein? Je vais pas écouter quoi, dis donc. Je vais pas écouter quoi? Des mensonges? Je perds mon temps à écouter quoi? Des conneries? Une malade mentale? Qui ne sait pas garder une amitié? Tu as quel ami que tu as depuis? Qui? Tu as quelle amitié que tu as gardée depuis? Qui? Moi, tout le monde est en train de dire que j'ai battu un record, alors que moi, je ne te connaissais même pas. Alors que je ne te connaissais même pas, tu as débarqué comme ça là dans ma vie. Tu as débarqué comme ça dans ma vie. Il a pris le téléphone, il t'a donné d'appeler. C'est toi qui as commencé à appeler et je te parlais mal même parce que moi, je n'aime pas les appels des gens que je ne connais pas. Il a dû prendre le téléphone parce que lui-même, il savait que lui-même, je n'allais pas vouloir l'écouter. Il a dit, c'est la veuve. C'est là que j'étais bien accueillie. Maintenant, tu viens t'en vanter. Tu penses que tu es quoi? Que tu es une star? Tu as vraiment cru que tu étais une star, toi? Sérieux? Tu le crois? C'est Dieu qui veut m'élever. Par exemple, toi, là, si je donne un événement et que je ne t'invite pas pour te donner les honneurs, j'allais avoir les problèmes. Maintenant que je suis débarrassée de toi, je peux évoluer et aller où je suis censée arriver. Tu n'es qu'une jalouse. Et c'est ton cœur qui va faire que tu n'auras rien sur la terre. Si tu vas tout errer comme le mauvais esprit, à t'accrocher comme un parasite partout sur les gens pour avoir 5 francs, pour manger un peu. C'est tout. C'est tout. Tu ne vas rien me faire. Tu peux mettre même mes nudes dehors. Je vais m'en vanter. Je suis belle. Et une fois que ça sortit, tu viens répondre au commissariat. Une fois que c'est sorti, tu viens répondre au commissariat. Elle voit que j'ai peur d'elle. Elle va faire quoi? À pas inventer sur moi. Elle va dire quoi? Elle va dire quoi sur moi? Elle va dire quoi sur moi? À pas inventer qu'elle va aller te faire ce qu'on fait à Coco Kouotou. Je vais oublier que j'ai les enfants. N'importe quoi. N'importe quoi. Une salope comme ça. Je n'aurais jamais dû te monétiser même. C'est les ancêtres qui m'ont mis dans les problèmes là. On a pitié d'une affamée. Et voilà ce qu'on a en retour. Tu penses que tu es quoi? Ou que tu es qui? Si j'étais trop fan de toi, tu allais souvent me voir sur tes pages. Tu m'avais vu sur tes saletés avant. Avant de devenir ton admin, tu m'avais déjà vu sur tes pages. Une seule fois. Tu m'avais déjà vu. Ça pâque. Tu penses que toi, tu as la classe d'être mon ami? Tu crois que je traîne avec les gens de ton acabit? C'est Facebook qui nous mélange, hein? Je traîne pas avec les gens de ton espèce. Les gens qui aiment semer la zizanie partout pour être seulement les seuls qu'on aime. Elle veut toujours être. Tout le monde doit avoir pitié d'elle. C'est mon bon cœur qui va me tuer. Tu vas me faire quoi? Tu vas me faire quoi? Voilà. Vous voyez alors? Je vous ai dit non. Elle dit que je n'ai pas de papier. Je savais. Je savais qu'elle allait dire ça. Moi, j'ai eu mon logement grâce à elle. Seigneur Dieu Tout-Puissant.
Seigneur Dieu, tu as donc tu il y a le HLM à Paris. Tu vas laisser tes filles qui sont là-bas en campagne pour me donner à moi. C'est grâce à toi. À quel niveau? Il faut expliquer. Tu m'as donné quel papier qui m'a aidé à avoir mon logement? Tu es dans mes... Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Les gens qui doivent souvent... Qui doivent être tes cautions là. Comment on appelle ça? Il y a ta signature quelque part. Tu m'as donné un papier ou bien je veux comprendre. Je veux comprendre. Je veux comprendre, salope. Quand tu vas finir de verser les mensonges là, on va avancer sur les vrais oui. Quand tu vas finir avec les mensonges là, qu'elle donne mon adresse. Elle n'a pas mon adresse. Elle ne connaît pas chez moi. Elle ne connaît pas chez moi. Merci Bertrand Chic-Tomo. On dit garant, c'est ça le mot. Merci. Elle s'est portée garant. Donc tu vas laisser tes filles qui habitent là-bas loin au village pour me donner moi l'appartement à Paris dans un quartier qui est mieux que le tien. Oui, oui. Les gens vont te croire. Ils vont te croire, j'espère. Je n'ai pas les papiers, oui. Mais j'ai signé mon appartement ici sans avoir les papiers. Waouh, Seigneur. Tu as contribué combien à mon appartement? Tu as opéré à quel niveau? Je n'ai pas les papiers et je suis allé signer le contrat comment? Je suis Lélé, hein? Ok, on continue. Ensuite. J'espère qu'elle a les photos, hein? Où je suis en train de finir avec une gars. Parce que si tu n'as pas les photos de ça. Si tu n'as pas les photos de ça. Là, voilà qui fait. Quand on va lui envoyer une citation directe, vous allez venir pleurer ici. Vous allez venir pleurer ici. Donc, toi, tu vas m'aider à avoir un appartement. Et toi, tu restes dans ton trou, tu es là-bas. Je n'ai pas les papiers, mais j'ai signé un contrat. On ne sait pas comment. Hein? Parce que l'HLM, c'est la mairie qui donne. Hein? L'HLM, c'est la mairie qui donne. C'est vous qui m'appelez ma HLM. Je n'ai pas les papiers. Et je vais signer. J'ai signé le contrat de bail. Ouais. J'ai dit, tu pensais que tu m'as eu. C'est moi qui t'ai bien eu. Parce que j'attends que tu finisses de verser. Quand tu vas finir, moi, je vais commencer. Tu comprends maintenant? Quand tu vas finir, moi je vais commencer. J'attends que tu finisses de sortir tes mensonges là. Baisse tout. Hein? J'ai touché dans ton âme. Si elle ne t'avait pas touché ou ça fait mal, tu ne serais pas en train d'inventer des choses sur moi à l'heure-ci. Et vous voyez alors que je l'incitais à cliquer sur un truc. Je vous ai montré le lien là ce matin, non? Je vous ai montré le message là ce matin, non? Moi, l'incité. Attendez, je vais vous montrer. Ne pars pas loin. Je vais vous montrer. Dieu est bon. C'est moi qui vais mettre fin à ta manipulation sur la toile-ci. Regardez. Voici ça qu'elle m'a envoyé. Je vous ai montré ça tout à l'heure dans le live de tout à l'heure. D'accord? C'était le 1er octobre. Voici ça. Qu'est-ce qui est écrit ici? Qu'est-ce qui est écrit ici? Et c'est un truc. C'est un truc qu'elle m'a demandé au moins 50 fois. Hein? Au moins 50 fois. Elle m'a posé la question sur ces trucs-ci. Et je lui ai toujours dit ne clique pas. Je lui ai toujours dit ne clique pas. Je vais vous montrer les deux fois qu'elle m'a envoyé l'argent. Non, je ne vous montre même pas parce qu'il peut y avoir, il y a mon nom dessus. Elle m'a envoyé l'argent deux fois dans ma vie. Qu'elle vienne vous montrer les preuves qu'elle m'a envoyé l'argent plusieurs fois. Demandez-lui les preuves. C'est de ça qu'il est question. Ça, c'est le 1er octobre hein, qu'elle m'a envoyé le truc-ci. Hier, yeah! C'est à quel moment que Lolo Fodjalo lui a dit que ne clique pas, que je veux voler sa page. Parce que ça, c'était le 1er octobre. Voici ça. Voici ça ici. Yeah, yeah. Et moi, je lui ai écrit ici.
Ne clique surtout pas. C'est quoi ici? Ça, c'est quoi ici? Appel manqué. C'est toujours toi qui m'appelles. Moi, je t'appelle pas. Parce que j'ai pas besoin de toi. Moi, je t'appelle pas. Elle va tout dire sur moi. Je suis Lélé. Bientôt, elle va entendre même qu'elle vend le piment. Tout ça, là, je vais entendre. Je suis sûre. Comme vos vies que vous voulez mettre sur les gens, là. Vos vies que vous voulez mettre sur les gens. Sinon, tu n'es pas cachée, la veuve. Oshiga a crié dans un live avec elle, ne clique pas. Vous vous rappelez, non? Vous voyez comment les ancêtres sont forts? Ils ont déjà anticipé sur ces mensonges. Je vous ai montré la capture ici ce matin. Je ne savais pas qu'elle allait venir prendre ça pour dire que moi, je lui ai dit de cliquer pour voler sa page. J'ai besoin de te faire cliquer sur un lien pour voler ta page quand je suis déjà admin. Mais les gens qui t'écoutent même là, ils font comment? Ils font comment? Je vous ai raconté ce matin, non? Ça pâque. Les gens qui t'écoutent là font comment? J'ai besoin de te faire cliquer sur un lien alors que je suis derrière admin de ta page. Je suis derrière dans le coin. Tout ce que j'ai à faire, c'est enlever admin. Est-ce que j'ai besoin de te faire cliquer quelque part? Tu vois comment tu es bête? Maman, tu vas pas t'en sortir avec la page là. J'ai derrière pitié de toi. Hein? J'ai derrière pitié. Zola, nous sommes témoins au Shiga. On était là, elle t'a appelé en plein live. Elle n'en a rien à foutre. Quand elle a besoin de moi, elle appelle. Elle s'en fout de l'heure. Elle s'en fout de ce que je suis en train de faire. Dieu m'a libéré de toi. Natacha m'a libéré de toi. Oui, sans savoir. Je te la laisse, c'est elle que tu vas traiter maintenant. C'est elle qui va subir ton manque d'affection là. Moi, c'est terminé. Moi, c'est terminé. Dieu, mais je me sens libre. Tu ne peux pas imaginer. Tu m'étouffais. Tu vas me laisser vivre maintenant. On ne va plus m'assimiler à toi. Pourriture comme ça. Toi, tu es un déchet de femme. Je suis désolée. J'espère que tes filles ne sont pas sur la toile parce que moi, j'aurais honte à ta place. À leur place. Tu es un déchet de femme. Attends. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi? Elle est lélé. Et toi, je ne t'ai pas dragué. Pourquoi? Choigne. Tu m'as proposé de dormir chez toi, non? Pourquoi je ne suis pas restée? Comme je suis lélé. Pec, 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 pec. J'ai dit que non, je rentre. J'ai dit que non, je rentre moi. Après, ça va sortir ici autre chose. Maman, il était tard, je suis rentrée quand même chez moi. Oui. Et je ne suis jamais revenue chez toi. Malgré toutes tes invitations, je n'ai jamais remis les pieds chez toi. Parce que je ne voulais pas de familiarité avec toi. Parce que j'étais en train de t'observer. Ce n'est pas parce que je t'aime bien que j'ai envie d'être ton ami, de rentrer dans toi et toi rentrer dans moi. Tu te rends compte aujourd'hui que tu ne sais rien sur moi. Tu ne peux qu'inventer. Tu ne sais rien sur moi. Elle est Lélé. Elle est ceci. Elle vole les pages. Elle m'a saboté. J'ai encore fait quoi là? Elle a voulu pirater ma page. Elle a voulu ceci. Tes versions là vont changer 1 million de fois. Toujours est-il que c'est toi qui suppliais hier. C'est ça qui est le vrai point. Hier là. Et ça que tu es nerveux à ce moment, bah, il faut laisser. Maman, comment tu veux me dire qu'on voit tes faiblesses? Laisse. Tu veux me dire qu'on voit tes faiblesses? Laisse-moi. Oh, continue de te joie. Tu veux que je fasse quoi? Regarde mon état. Je n'arrive pas à arriver jusqu'à la pause. Je n'arrive à rien faire. La manipulation. Regarde mon état. C'est moins de choses. Je suis même malade. Je suis même ceci. Toi, voilà qui est ado en train de mentir. Dieu, le corona là t'a loupé même. Ça va te montrer. Sorcière. Tu sors mentir sur les gens pendant que tu es malade. Bah, je n'ai même pas le goût de la vie. Je ne mange même seulement pour manger. Je ne suis pas bien dans ma tête. Je ne suis pas bien, moi. Ne me fais pas ça. Tu dis que tu me laisses avec qui? Tu me laisses pourquoi? Je l'ai fait quoi? Ouais, ma. Faut pas tu être négatif dans la vie comme ça. Hein? Ma... Je sais que c'est à cause de moi que beaucoup de gens la tolèrent encore. On lui a accordé le bénéfice du tout. Tu vas voir avec tes yeux. Le buzz que tu es en train de prendre là, profite des dernières brèves de ça. Après ça, tu vas disparaître. Tu vas commencer à disparaître.
Parce que les gens vont voir ton vrai visage maintenant grâce à moi. Même ceux qui avaient un peu pitié de toi comme ça. Un peu comme ça. Tu dis qu'elle t'étouffait, mais quand c'était les ralliements pour descendre la 9 et 10, elle ne t'étouffait pas. Vous allez verser votre coup d'état manqué, le cul de ta mère, imbécile. On t'a dit que je suis dans vos saletés de coup d'état là. Je discute quoi avec les vieilles rombières là? On a les mêmes problèmes. Moi, elle est venue me mettre dans les coups d'état que je discute quoi avec elle. Elles vont toutes disparaître. Non, moi, celle-là, tu es derrière comme le cul. On t'a dit que moi, j'ai appelé la veuve pour arranger que je vais clasher telle avec elle. Jamais. Je vous dis qu'elle et moi, on ne s'appelle pas. C'est elle qui m'appelle pour sa page. On vous a dit qu'on cause. Elle m'a envoyé les photos de Rêve Mbiaï et Lolo. Pourquoi je n'ai pas utilisé ça? Pourquoi je n'ai même jamais fait allusion à ça? Qu'elle t'a envoyé. Elle ne m'a jamais envoyé clasher qui que ce soit. Je clash quand je veux, qui je veux. Quand je veux, qui je veux. Personne ne m'envoie faire quoi que ce soit. Elle m'a envoyé la vidéo de Ngossa. Une vidéo de Ngossa. J'ai utilisé pour faire mon live. C'était une vidéo qui était sur Facebook, donc rien à voir avec les affichages. Oui, là, j'ai utilisé, j'ai décrypté la vidéo. Mais c'est tout. Elle ne m'a jamais envoyé clasher qui que ce soit. Ça, je le dis. Vous êtes malade. Moi, on m'envoie. Ça ne va pas chez vous, hein. Vous me connaissez mal. Personne ne me commande. Et elle le sait. Elle l'a toujours su. Personne ne me commande. Elle le sait et elle l'a toujours su. Qu'on voit tes faiblesses. Laisse-moi. Oh, continue notre joie. Tu veux qu'on voit tes faiblesses. C'est toi qui vas allumer ta caméra, dire aux gens que je suis faible et tu viens après inbox me manipuler, salope. Ma, tu veux que je fasse quoi? Regarde mon état. Je n'arrive pas à arriver jusqu'à la pause. Je n'arrive à rien faire, ma. Je n'ai même pas le goût de la vie. Je ne mange même seulement pour manger. Mm-hmm. Je ne suis pas bien dans ma tête. Je ne suis pas bien, ma. Ne me fais pas ça. Tu dis que tu me laisses avec qui? Tu me laisses pourquoi? Je vais faire quoi? Ouais, ma. Tu peux pas être négatif dans la vie comme ça, hein. Tu veux que je dise quoi? Tu veux que je fasse quoi? Laisse le problème. Quand je demande à côté de demander les excuses, là. Je vais me demander qu'elle fasse. Elle a très mal fait une petite vidéo pour te demander les excuses. Que ouais, ma soeur. Je ne sais pas si ça passe comme ça avec des vaquines. Des fois, c'est fini. Ouais, pardon. Finissons l'histoire, là. Ça finit, bah. Que je te dis, moi, je t'aime beaucoup. Elle et moi, on n'a pas parlé depuis, hein. Je n'avais plus rien écrit, hein. C'est parce que c'est dans le téléphone si qu'elle m'a envoyé ça, le téléphone qui fait la vidéo, dont j'ai transféré dans l'autre pour vous faire écouter. Sinon, elle et moi, on peut croire qu'elle est en train de me répondre à quelque chose. Elle et moi, on n'a rien parlé avant ça. Rien. La dernière fois qu'elle et moi, on a parlé, c'était le jour dans son direct qui est sur sa page là-bas, où elle m'a appelé pendant qu'elle était en direct. C'est la dernière fois qu'on a parlé et que je lui ai écrit encore quelque chose. Après, je ne lui ai plus écrit. C'est elle qui allume son téléphone pour m'envoyer ça. Pendant que moi, je suis sur Facebook en train de faire mes choses à Natacha, hein, c'est elle qui m'envoie ça encore. Parce que, ouais, ma soeur, je ne sais pas si ça passe comme ça avec des vaquines. Tu vois, c'est fini. Ouais, pardon, finissons l'histoire là, ça finit. Bah, que je te dis, moi, je t'aime beaucoup. Hein. Je t'aime comme une petite soeur. Je t'aime, moi, papa, je t'aime beaucoup. Ouais, oui, tout ce qu'on dit sur moi est vrai. Je ne veux pas que les aides, les réseaux sociaux viennent se moquer de nous encore. Mm-hmm. Hein? Ce n'est pas bon. Pense à ta réputation, regarde comment tu chantes bien. Hein? Là, comment tu chantes bien, ma soeur? Ma bonne à moi, pardon. Fais ça pour moi. Regardez les manipulations. Pardon. Fais ça pour moi, reste avec moi. Tu me laisses encore avec qui? Tu as appris que j'ai parlé mal de toi, que les gens affamés dans les réseaux sociaux. Oh, bon, ça me fait mal, hein? En tout cas, prends le temps de bien réfléchir. Moi, je suis avec toi. Oh. Bonne fin de soirée, bonne fin de journée. Voilà. Je n'ai jamais répondu. Je n'ai jamais répondu que les gens affabulent sur les réseaux sociaux. Non, il faut qu'elle revienne sur une partie là. Elle a dit un truc là. Attention à deux. Je ne veux pas que les aînés des réseaux sociaux viennent se moquer de nous encore. Les haineux. Les haineux. Voilà, elle dit un truc. Hein? Ce n'est pas bon. Pense à ta réputation. Là, comment tu... Pense à ta réputation. Vous avez entendu? Manipulation, plus, plus, plus. Pense à ta réputation. C'est une forme d'intimidation masquée. Ça veut dire quoi? Laisse l'affaire avec Natacha. Pense à ta réputation. Quel est le rapport entre mon clash avec Natacha et ma réputation? Quand je clashais Lolo Fodja, tu n'as pas vu ma réputation? Quand je clashais Flore, pourquoi tu n'es pas venu m'appeler que ma fille laisse
Pense à ta réputation. Quand je clashais Perpétu, pourquoi? C'est même toi qui m'as envoyé une vidéo pour m'aider à clasher Perpétu. Pourquoi tu n'es pas venu me dire que pense à ta réputation, salope! Manipulatrice à deux balles. Tu as vu, je t'ai même pas répondu. J'ai même pas pris la peine de te répondre. J'ai dit que pardon, là-bas, je ne suis pas bête. Ce que j'ai vu là, ça me suffit. J'en ai assez vu. Tu parles de ma réputation? Quand tu viens t'asseoir, tu as fini de parler ça que ma réputation, pardon, reste avec moi. Moi, je t'aime beaucoup, hein, maman Jean, reste avec moi. Tu veux me laisser à qui? 2 heures, 3 heures plus tard, tu pars t'asseoir, tu me traites de fragile en direct. Tu coupes le live, tu lances encore un autre. Ou tu dis que moi, j'ai essayé de voler ta page. Moi, je t'ai saboté. Elle me dit de penser à ma réputation. Mais elle veut que je laisse quand son ami dit que moi, je la raquette. Là, elle ne voit pas que c'est ma réputation toujours. Non. Ma réputation va se gâter si je continue à clasher son ami. J'ai dit que je n'ai pas encore commencé à parler. Tu comprends? Tu comprends, Natacha? Tes maisons closes là. Non, non, courant, c'est pas elle, hein? Sinon, c'est que tu as les maisons closes là. C'est pas elle. Si elle sait que tu es là, dormi dans une des chambres que tu loues aux filles, c'est pas elle. C'est elle qui m'a dit la première fois pourquoi elle n'a pas dormi. Je vous ai demandé si pourquoi elle n'a pas dormi dans la maison. Parce qu'on l'a amené dans les studios qu'on loue pour le piment. Je n'ai pas encore commencé à parler. Tu comprends? Et quand moi, ma part va sortir là, ça sera véridico. Parce que toi, on te connaît déjà. Vous, on vous connaît déjà. Et tu es lélé. Je suis lélé, j'accepte. J'accepte. Vous avez autre chose? Il y a autre chose? N'importe quoi. J'ai peur de vous. Américain, pense à ta réputation. Réputation de quoi? Réputation de quoi? C'est avec toi que j'ai perdu de ma réputation. C'est en me collant à toi que ma réputation a souffert. C'est en me collant à toi que ma réputation a souffert. C'est en me collant à toi que ma réputation a souffert. Et que Natacha reste tranquille. Ton tour arrive. Parce que moi, elle sait ici là. Elle va mettre ça dehors tôt ou tard. Quand elle va s'asseoir comme ça là, voir qu'elle n'a personne qui peut l'aider avec sa page. C'est à toi qu'elle va en vouloir. On est ici au Carrefour, non? Tu vas voir toi-même avec tes yeux. Vous allez vous faire ça dur. Moi, je vais m'asseoir manger les pop-corn. Que j'étais chez les femmes battues, hein? Moi qui suis célibataire depuis 1900, ouais. Je faisais quoi chez les femmes battues? Pardon, la femme, là, c'est une malade. 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 Elle m'a donné la maison. Mon Dieu. Mon Dieu. Elle m'a donné la maison. Waouh. Gars, il commence à répondre même si l'autre sait comment. Dites-moi, il commence à lui répondre comment? Franchement, il commence à lui répondre. Ouais! Elisabeth Degremont, viens regarder comment je me moque de toi. Donc, tu penses que quand tu vas sortir là, tu vas casser la baraque, quoi. Regarde comment je ris de toi. Je vais te faire travailler pour moi comme Kinkam t'a fait travailler pour elle pendant des années sur la toile-ci. Tu comprends? Tu vas travailler pour moi. Tu vas work. C'est qui? Moi, je ne prononce pas les noms des comment on les appelle, des blogueuses parasites ici, là. Moi, je ne prononce pas le nom.
qu'elle aille se coller à elle là-bas. Elles vont se faire ça entre elles là-bas dans leur pungulou. Moi, j'étais venue pour mettre de l'ordre. Et je suis en train de finir ma mission là, visiblement. Parce que je pensais que tu n'en faisais pas partie. Mais en fait, les ancêtres ont dit que, mais tu veux partir où? Tu as laissé celle-ci, tu as oublié une. Même jusque-là, ils voulaient t'esquiver. Ils ont dit que, oh, tu veux l'esquiver? Attends alors. On va la mettre que sur toi-même. Ouais, Seigneur. Nombreux sont là pour activer la haine. Non, c'est pas eux qui activent la haine. Ils ne font que répéter ce qu'elle a déjà dit. Donc, c'est pas eux qui activent la haine. C'est elle qui distille la haine. Eux, ils ne font que répéter. Et c'est normal. Je dois savoir ce qu'on dit sur moi. Ça m'empêche d'aller regarder là-bas. Paye, franchement, aller m'asseoir pour regarder l'illettré là parler. Paye, c'est que toi, tu étais assis avec Natacha. Quand Natacha a commencé à parler que l'illettré, vous aimez appeler les gens illettrés, alors que, machin, vous ne connaissez rien, vous n'êtes rien, vous-même vous êtes illettré, vous aimez entendre que vous êtes allé à l'école. Je sais que quand vous étiez assise là-bas, tu parlais de moi avec elle. Je sais que quand je disais que, oh, je suis allé à l'école, je suis intelligente là, je sais que ça te fait mal quand je dis ça. Et vous connaissant, je sais que vous étiez assise, vous parlez souvent là-bas. Je sais que vous parliez souvent là-bas. Et que ça te choquait pareil comme elle, ça lui fait mal là. Donc, tu as développé un complexe et tu t'asseyais là-bas pour parler de moi. C'est pour ça que celle-là a été aussi à l'aise de venir s'asseoir pour me dire ce qu'elle a dit là. Parce que toi, tu faisais là le travail. Ah bon, hein? J'étais au Cameroun, hein? L'année dernière, là. Ouais, c'est grave, hein, pour une sans kaolo. Qui part faire tous ses clips au Cameroun. C'est bizarre, hein? Je ne peux pas aller faire dans une ville. J'étais à Cannes. Hier, là. J'étais au festival de Cannes. Hier aussi. Je ne peux pas me déplacer dans une ville. Cannes, c'est quoi? Ce n'est pas une autre ville. Quand je vais au studio, vous savez où je vais? Je vais à Rouen. Je ne peux pas me déplacer dans une autre ville. Comment? Je ne peux pas me déplacer dans une autre ville. Comment? Oh, Seigneur! Il y avait quoi en janvier, là, bonbon? Elle est plus courte que moi. Ça, c'est certain. Elle est plus petite de taille que moi. Parce que le jour où on s'est vu, tu avais les talons. Jusque-là, je te dépassais. Le jour où on s'est vu, tu avais les talons. Jusque-là, je te dépassais en taille. Donc, je ne sais pas de quoi on parle, maman. Il y a eu quoi en janvier, la canne, et ça fait quoi, maman? Je ne comprends pas. Toi, tu es une femme maudite. En tout cas, tout ce qui peut arriver de bien dans ta vie, toi-même, tu te débrouilles à le gâter. Ta cuisine en est où? Ta cuisine en est où? Ma oui, je parle, mais ce n'est pas l'année dernière. J'étais au Cameroun en janvier. Et je n'ai pas les kaolo. J'étais au Cameroun là en janvier. Et l'année dernière aussi. C'est pour ça que j'ai pensé à l'année dernière même. J'étais au Cameroun là. Mais je n'ai pas les papiers. Et puis après, je suis venue ici. Elle m'a donné la maison. L'HLM de la mairie. C'est à elle qu'on a donné de me donner. Oui. De Paris. Donc, on va la laisser elle. Elle va laisser ses enfants pour venir me donner la maison à moi. Je crois que ça, c'est pour les gens qui sont au pays. Hein, parce que quelqu'un qui est en bain ne peut jamais écouter les foutaises que tu racontes, Elisabeth de Grébette. Elisabeth de Grébette. Personne ne peut écouter les histoires que tu racontes. Une sale alcoolique. On s'attend même d'abord à quoi? Alors, Nefertari Ramsès dit, ce que j'apprécie sur cette ligne, une femme très naturelle, je pense que je vais faire des locks. J'ai arrêté de me maquiller. Tous ces artifices au final nous dénaturent. Merci ma belle, elle est en train de me dire qu'il faut me maquiller. Pour te ressembler à toi, un tuyau d'échappement. Pour te ressembler, tu es là comme si c'est la fumée qu'on met sur tes yeux souvent. Pour te ressembler... Tu crois que toi, tu es un rêve? Tu crois que je rêve de vieillir comme toi? Hein?
Regarde-toi, tu as arrêté les gens sans ta peau, en est où? Tu as encore retourné dedans. Tu peux arrêter. Dis la vérité aux gens. Que oh, ce n'est pas les gens, ils n'aiment plus les gens sans. Tu fais comment pour ne pas replanter ta peau? Moi, me voilà. Voilà ma peau. Aujourd'hui. Moi-même, j'ai fait les gens sans là. J'ai arrêté. Me voilà aujourd'hui. Toi, tu fais comment? Qu'il faut se maquiller. Pour faire quoi? Vous vouliez m'entraîner dans la prostitution avec vous. J'ai refusé. Voilà le problème aujourd'hui. C'est ça le vrai point. C'est ça le vrai point. Je vais garder le reste. Je vais garder le reste. J'attends que tu sortes tout à part. Ivakine lui avait demandé de laisser les mensonges quand elle racontait à tout le monde que le bâtiment lui appartenait. Oui, oui, c'est elle qui m'a donné l'appartement. Sapac. Tu peux pas changer ton taudis où tu habites là. C'est à moi que tu vas donner l'appartement. Bah, tu m'aimes trop. Tu vas laisser tes filles qui sont loin pour me donner l'appartement à moi. Oui, c'est Sanzola. Je ne vais pas encore parler. J'attends qu'elle parle tout. Parle le tout. Quand tu vas finir de parler pour toi, c'est où moi, je vais venir clôturer. Tu comprends? Voilà. Tu as menacé que tu vas me taper. Tu penses que ça me fait peur? Ça paque. Je t'attends. Ça me fait peur. Tu as tapé combien on a vu? Tu as tapé qui? Et on a vu. Moi, une chienasse. Moi, tu connais même le nom de mes enfants. Même leur nom seulement. Tu connais? Ça te dit la considération que j'avais pour toi. Zéro. Tu es une femme qui me faisait pitié. J'avais de l'empathie pour toi. Oui. Parce que je suis un HP. Parce que je suis une hypersensible. J'ai pitié des gens. Je ne sais pas détester les gens. Waouh, vous avez tout compris, c'est ça. Quand elle vient me dire que lui, Natacha, va être ton ami, ça veut dire quoi? Ami, qu'on va parler de quoi ensemble? Ami, qu'on va parler de quoi ensemble? Quand tu étais là-bas, tu pensais que tu avais peur que tu n'enregistres pas. Tu avais peur comme les gens enregistrent partout. Là. Moi, je n'ai pas besoin d'enregistrer. Mon honneur, ma droiture, ma démarche sur la toile fait que sans audio, ce que je dis, on croit. Parce que je ne mens pas. Tu comprends? Masse à la toile, hein. Les gens qui commencent, ils sont en train de rire là-bas quand la veuve dit qu'elle a tes vidéos. Qu'elle mette mes vidéos. Qu'elle mette mes vidéos. Tu as compris? Mets mes vidéos. Je sais d'où elle tient ça. Où elle. Je sais pourquoi elle dit ça. On a un ami commun. Enfin, ami. Une connaissance commune. Le gars là lui fait les annonces. Donc, c'est lui qui voulait pareil et me mettre dans leurs choses là. J'ai pris mes distances, c'est devenu le chantage. Que on a tes vidéos, quand tu tourmais avec tel. J'ai dit que c'est pas grave, va balancer. Donc, c'est avec lui que tu es là-bas derrière. Je vous attends. Tu comprends? Parce que là, lui-même il a tes vidéos, non? Vous vous rappelez qu'elle était en direct un jour? Et un gars lui a dit que j'ai tes vidéos. Un gars lui a envoyé ses vidéos. C'est le gars là. Oui, il te filmait. Et aujourd'hui, tu lui ouvres encore ta porte. C'est elle qui est venue me dire que c'était toi. Si tu es en train de me regarder aussi, il ne va pas dire ton nom pour l'instant. Mais ne tente même pas. Quelle balance ça me fait la publicité. Si elle a même ça. Si elle a même ça, je n'y crois absolument pas. Elle n'a rien. C'est pour m'intimider. Le gars là a d'abord essayé de m'intimider avec ça. Lui-même, il n'a rien. Donc, tu ne peux rien avoir. Tu ne peux rien avoir. Et si jamais tu as, parce qu'on ne sait jamais, mets dehors. Quand elle parle là, qu'elle a mes vidéos, filmez où elle dit ça. Il faut filmer ça. C'est ça que je vais amener au commissariat. Il faut filmer ça. Voilà les preuves. Comme ça, même si mes vidéos sortent par ailleurs là, on sait que c'est elle. C'est elle qu'on va aller chercher. Ça ne chauffe pas. Et on va te prendre toi. Et le gars qui avait toi derrière là. Et vous connaissez tout le réseau qu'il y a derrière vous. C'est vous qui n'avez pas les vies propres. Et c'est vous qui voulez vous attaquer à moi. C'est vous qui voulez vous attaquer à moi. Balance mes vidéos. Tu as compris? Balance mes vidéos.
Tout le monde sait ici que je vais dans les clubs échangistes. Ça veut dire que les parties à trois là, j'aime ça. Et j'assume. Oui, parce que le gars là m'avait dit, moi j'avais tout dit, comme ça il n'y aura plus rien. Le gars là m'avait dit, oui, il y a telle qui m'a dit que elle a ta vidéo. J'ai dit, comment ça? Oui, elle a ta vidéo quand vous avez fait une partie à trois. J'ai dit, ah bon? Ah bon? Dis-lui qu'elle balance. Oui, il est venu me menacer parce que lui voulait me faire le chantage. Parce que lui, il me propose depuis les chambres, tout. Oh, tu as le corps, tu es bien. Il y a la chambre ici. Il faut venir. Il faut se dire que mon frère, je t'ai dit que ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ouais, Seigneur. Ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas qui, de quoi elle parle que Saint-Germain-en-Laye. Je ne sais pas qui est à Saint-Germain-en-Laye. Je ne connais pas. Je ne sais pas de quoi elle parle. Je ne sais pas de quoi elle parle. C'est qu'elle a qu'elle balance. C'est tout. Oh, machin. Après, c'est les menaces. Quand je dis que, gars, mon frère, arrête de me harceler avec ces choses-là. J'ai pété un câble. Il a commencé à me crier aussi dessus. Me dit que, de toute façon, j'ai ta vidéo. J'ai dit, ah bon? Ah bon? Ah bon? Tu dis que celle-là a ma vidéo? Ok. Montre-moi, je vois. Non, elle m'a dit qu'elle a, mais je n'ai pas, machin. Il dit, ah, quand elle va t'envoyer, il faut m'envoyer. Et après, tu lui dis qu'elle balance, balancez. Si vous avez ma vidéo, hein, balancez. Parce que moi, j'assume, je suis une adulte qui s'assume. Quand j'ai envie, je me fais plaisir. Même si je veux me faire plaisir avec 15 personnes à la fois, c'est mon problème. Moi, je ne me filme pas. Mais si on m'a filmé à mon insu, c'est ce qui m'a fait comprendre. Il m'a fait comprendre qu'on m'aurait filmé à mon insu. J'attends donc. Comme vous m'avez tout donné et que j'ai tous les noms. J'ai tous vos noms, toutes les personnes impliquées. Moi, on ne me fait pas le chantage. Hein. Moi, on ne me fait pas le chantage. J'ai tous vos noms. J'attends la vidéo. J'attends la vidéo. Bon, voilà une dame qui disait qu'elle était ma grande sœur. Demandez-vous comment ça se fait qu'elle puisse même avoir une vidéo de moi. Comment ça se fait? Parce que moi, je ne peux pas lui envoyer ce genre de vidéo. On est d'accord, non? Bon, dites-moi comment ça se fait qu'elle puisse avoir même ma vidéo. Merci Nzola. Oshiga, ça c'est ton intimité. Est-ce que tu es venu faire la promotion sur les réseaux? Qu'elle balance et assume les conséquences. C'est tout. Oui? Est-ce que moi je dis à quelqu'un de ne pas aller au club? Vous comprenez le français même? Je n'ai jamais dit à quelqu'un de ne pas aller dans les clubs échangistes. Qui vous a dit? Moi, tu m'as vu venir reprocher à Flore d'aller dans les clubs échangistes. Quand? Trouve la vidéo où je dis ça, tu me dis. Tu me montres. Il faut comprendre ce qu'elle dit. Hein. Pourquoi je vais reprocher aux gens tous les jours ici, je le dis. Qui a les clubs échangistes? Moi, je suis déjà allée. Plus d'une fois, je l'ai déjà dit ici que j'ai déjà fait une partie, même pas qu'une seule, à trois. Je l'ai déjà dit ici. Alors, si quelqu'un m'a filmé à mon insu, c'est votre problème. Je vais vous attaquer, vous tous. Et vous allez tous me payer très cher. Vous allez tous aller en prison. Parce qu'on va démanteler votre truc de chantage à la vidéo. Tu comprends? Ta sale villa, Elisabeth de merde, que tu veux mettre sur moi. Voilà ça que j'ai cassé tout le papeau. Tout le papeau est dehors. Tu n'as plus rien sur moi. À savoir que j'ai fait une partie à toi. J'ai fait une partie à toi. J'attends les vidéos. Envoyez-moi, non? Ouais. Les vidéos sont déjà dehors. La veuve est forte. Envoyez-moi les vidéos, non? Envoyez-moi, non? Envoyez-moi, non? Envoyez-moi les vidéos. J'attends ça. Rendez-moi star. S'il vous plaît. Envoyez-moi aussi. Vous connaissez mon eBay, non? Mon Messenger. Il faut m'envoyer ça, s'il vous plaît. Moi, je ne peux pas vivre avec une épée de Damoclès sur la tête. Donc, si elle a vraiment ça, mieux elle balance une fois et puis on avance. Et je vois ce que vous avez d'autre après. Après, moi, je vais m'exprimer. J'attends quand elle va finir. Finis tout.
Quand tu auras fini, je vais commencer ma part. Oui, on ne me la fait pas. Quand vous aurez fini, je vais commencer. Tu as compris? Voilà. Venez m'envoyer les vidéos. Hein. Comme vous dites que les vidéos sont dehors, il faut m'envoyer ça. Envoyez-moi ça. Que je confirme. Et après, moi aussi, je viens déposer ma part que j'ai dans mon ventre. Et on quitte sur ça. Non, on ne quitte pas. On va au commissariat après. Oui, parce que là, quand même, c'est mon intimité. Hé, hey, moi, il ne blague pas. Hein. En plus, là où je peux avoir 5 francs. Oui. Là où je peux avoir 5 francs, je ne rigole pas. Parce que si elle a mes vidéos, c'est qu'il y a d'autres personnes impliquées. Elle et moi ne s'est jamais retrouvées dans cette situation-là. Jamais. Je suis allée chez elle une fois dans ma vie. Donc. Hé, hey, Lolo Fodja, don't you ici. Tu nous as traité de waka. Parle-moi du gars là, tes explications ne tiennent pas. Quel gars? Tu veux ta photo? Je te donne mon numéro. Écris-moi, je t'envoie ton nude. C'est de ça qu'il s'agit. Tu parles de quel gars? Tu veux que je te parle de quel gars? Donc tu me suis, hein? Donc tu suis, hein? Tata Lolo, 07 51 88 98 81, viens, je t'envoie ta photo. C'est de ça qu'il s'agit. 07 51 88 98 81. Envoie-moi un WhatsApp et je t'envoie ta photo avec son numéro. Parce que si j'envoie juste la photo, tu peux croire que c'est quelqu'un d'autre qui m'a donné. Je vais te mettre ça avec son nom, son numéro. C'est ton ami, non? Tu vas reconnaître sa photo de profil. Voilà. Voilà, voici pour rêve ici. Voici pour toi ici, Tata Lolo. Ce n'est pas nouveau, mais moi je n'avais jamais vu. C'est ça en fait, moi je n'avais jamais vu. Et ce qui m'a choqué, c'est que je n'ai pas compris pourquoi elle m'envoie ça, en fait. Est-ce que j'avais besoin de voir tes fesses? Sérieux? Moi, ça me servait à quoi? Ça me servait à quoi de voir tes fesses? Tu peux me dire? C'est dans mon téléphone. Voilà. Donc, pour te dire que ton ami envoie ta nudité à ses autres amis, c'est ça le point. Ce n'est pas le fait de savoir si c'est nouveau ou si c'est vieux. Moi, je n'avais jamais vu tes fesses et je n'avais pas besoin de voir ça. En réalité, pas. Je ne vais même pas donner là. Je ne vais pas. De montrer en direct, je ne peux pas. C'est ma page que vous voulez gâter. Votre kung fu est très lent. On t'a envoyé en mission, Tata Lolo. Je vais t'envoyer, toi-même, tu vas montrer dans ton direct. Vous me prenez pour une bête. Ok. Vous me prenez pour une bête à ce point. Moi, je vais prendre... Je vais... Eh, Andy. Moi, je vais poster ça sur ma vidéo que je suis bête pour perdre ma monétisation. Mais attends, vous rêvez, les filles? Vous rêvez? Mais je sais, non? Est-ce que je suis bête? Elle est en mission, non? Vous attendiez-vous toutes ici, là, d'avoir quelque chose sur moi? Comme la veuve est en train de vous servir les mensonges, vous allez vous asseoir dessus. Faites-vous plaisir. Mais n'essaye pas de me piéger, Tata Lolo. Ouais. Oui, heureusement que j'ai gardé dans mon téléphone. Heureusement. En temps normal, je ne garde même pas les choses comme ça. Mais heureusement que j'ai gardé. C'est Dieu qui a fait même que je garde. Oui. Pour prouver ce que je dis aujourd'hui. Tu vois, elle me dit de montrer. Elle me dit de montrer en direct. Peut-être que ce n'est pas Lolo, comme vous dites là. Moi, elle est venue afficher, montrer en direct. Il paraît que je cultive à Saint-Germain-en-Laye. Je cultive quoi là-bas, maman? Je cultive quoi là-bas? Eh, Seigneur!
Mon Jean vient dire qu'elle m'a bien eu. Mais quand je t'entends, je comprends que c'est moi qui t'ai bien eu, la veuve. C'est moi qui t'ai bien eu. Tu te réveilles aujourd'hui, tu te rends compte que tu m'as donné les balles sur toi comme ça. Hein? Tu m'as donné les balles sur toi comme ça. Hein? Et tu n'as rien sur moi. Elle m'a envoyé aussi une photo en disant que c'est rêve. Moi, je ne sais pas. Elle a dit que c'est rêve. Tu veux voir? Je ne vais pas montrer la photo. Regardez. Ça, c'est après ta photo à toi. Ça, c'est après ta photo. Tu vois? Voici ça ici, la photo là. Et moi, je demandais, c'est elle? Donc, c'est elle. Est-ce que c'est toi? Elle me dit non. Voilà sa petite sirette. Voilà ça, hein? Voilà. Je ne sais pas si c'est rêve ou si c'est une autre. Mais elle dit que c'est ta soeur. Je ne sais pas qui c'est. Si je t'envoie les photos, c'est toi qui sauras qui c'est. Moi, je ne connais pas qui c'est. Donc, si c'est vraiment Lolo Fodjaké derrière ce profil, c'est le 07 51 88 98 81. Tu m'envoies un WhatsApp. Et puis, je t'envoie ça. Je t'envoie les photos avec la capture, avec son nom. C'était quand? Le 25 juin. Ça ne faisait que 15 jours que tu me connaissais. Tu es venu livrer. Ça ne faisait que 15 jours que tu me connaissais. Tu es venu livrer ton ami chez moi. Et tu pensais que moi, il pouvait te faire confiance, me livrer à toi. Je ne t'ai rien raconté de ma vie, la veuve. Tout ce que j'étais dit was on purpose. C'est-à-dire que je vends le piment à Saint-Germain-en-Laye. Merci beaucoup. Hey, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Ça a failli sortir. Voilà ici. Voilà son nom. Voilà son nom. Voilà son nom. Je n'invente rien. C'était le 25 juin. C'est-à-dire que ça faisait 15 jours que toi et moi on se connaissait. 15 jours seulement. Et tu m'avais déjà envoyé la nudité de quelqu'un que tu dis que c'est ton ami. 15 jours. Les gens doivent connaître qui elle est. Les gens doivent connaître qui elle est. Connaître qui elle est. Je n'ai pas besoin de mettre son numéro. Je n'ai pas le droit. Vous n'allez pas me piéger comme ça. Je vais mettre sa photo. Voilà ça ici. C'est la même photo que vous avez montée tout à l'heure. Le même nom. Voici ça ici. Voilà, c'est la même photo, non? Ceux qui... Lolo connaît forcément son numéro. Elle connaît sa photo de profil en ce moment sur WhatsApp. Donc, c'est pas à vous que je veux prouver. C'est à celles qui ont leur photo ici. C'est pas à vous. Vous, je m'en fous de ce que vous pensez. Parce que même si vous la voyez faire devant vos yeux, vous allez toujours trouver qu'elle dit que c'est les gens. C'est les gens. Lia Richie, elle n'a qu'à prendre les infos pour aller donner. Je vais la bloquer après. Voilà, c'est une abonnée qu'on a en commun. Je vais la bloquer après. Comme ça, elle va rester là-bas. Dès qu'elle revient, dès qu'elle finit mon live, là, je vais la chercher. Merci pour l'info. Oui, je maîtrise. Et tu vois comment je maîtrise, non? Elle ne me peut pas. On t'a dit que concentre-toi sur ta musique. Qui t'a dit que ça m'empêche de me concentrer sur ma musique? Tu sais où j'en suis dans ma musique? Tu sais les featuring que je prépare en ce moment? Tu sais avec qui je suis en train de travailler? Non, tu sais pas. Je dois vous appeler, mettre la vidéo quand je suis en train de travailler ma musique. Pourquoi? Oui, moi, je ne connaissais pas. Maintenant, je connais. Vrai, vrai. Vrai, vrai. Vous avez alors vu? Maintenant, elle dit que j'ai les vidéos de Lolo, hein, comme j'ai montré la photo. Qu'elle montre les vidéos de Lolo, là. Moi, j'ai pris ça où? Moi, j'ai pris ça où? Pour faire quoi avec? Et je vais prendre les vidéos de Lolo. Et quand je clashais Lolo, je n'en parle pas. J'avais déjà ça. Je vous ai dit, c'est depuis le 25 juin. Le 25 juin, je clashais Lolo Fodja. Je clashais Lolo Fodja. Mais j'avais déjà ça dans mon téléphone. Tout le temps que j'ai clashé Tata Lolo, vous m'avez entendu parler d'un nude. Je n'en ai jamais parlé. Pourtant, j'ai ça dans mon téléphone. Je pouvais en parler sans même dire que c'est la veuve qui m'a donné. Je n'en ai jamais parlé parce que ce n'est pas ma ligne. Ce n'est pas ma façon de fonctionner. Ce n'est pas ma façon de fonctionner. Voilà. Oui, pour que j'envoie à la personne, il faut que la personne m'appelle.
Elle me dit que c'est Lolo, je reconnais la voix que c'est Lolo. Après ça, maintenant, je vais faire la capture et je vais envoyer. Sans problème, mais je dois être sûre que c'est elle. Elle ne veut pas qu'on me piège pour aller dire que j'ai envoyé les photos de quelqu'un. Non, non. Elle ne m'a jamais aidé à avoir un logement. Elle va m'aider à avoir un logement qu'elle est qui en France. Vous aussi, vous écoutez quoi comme ça? Vous écoutez quoi comme ça? Elle m'a aidé à avoir mon HLM. Si c'était même un logement privé, j'allais comprendre qu'elle puisse dire qu'elle m'a aidé. Mais c'est un logement social. Je suis dans un HLM. Elle va m'aider comment? Comment elle peut m'aider à avoir un HLM? Il faut m'expliquer. Demandez-lui de vous expliquer ce qu'elle a fait exactement pour m'aider à avoir la maison. Demandez-lui qu'elle vous explique ce qu'elle a fait. Elle est partie à la mairie. Donc, elle est quittée à Suresnes pour venir à la mairie de Paris. Ça fait 10 ans. Non, pas 10 ans. Oui. Ça faisait 9 ans que j'attendais l'HLM. Ça faisait 9 ans que j'attendais l'HLM. L'HLM, on ne donne pas à tout le monde. L'HLM aujourd'hui, vous aimez faire là comme si c'est pour les pauvres. Il faut avoir des revenus pour avoir un HLM aujourd'hui. Tu n'as pas les revenus, on ne te donne pas. Elle avait fait mon dossier car elle savait faire les papiers. Vous pouvez croire ça? Vous pouvez croire que la veuve, moi c'est la veuve qui va aller faire mes papiers ici là pour Paris pour avoir la maison. Et elle va me faire les papiers. Je l'ai connue en juin. Donc elle m'a fait les papiers et un mois après, parce que j'emménage ici en juillet. Je l'ai connue le 10 juin. J'ai emménagé ici chez moi le 14 juillet. J'ai signé le 14 juillet. Donc, la veuve a tellement d'influence. Non seulement c'est elle qui va faire mes papiers. Je vais aller demander la maison et on va me donner la HLM le mois d'après. Elisabeth de Grémont, tu vas te rendre compte que tel est le prix qu'il croyait prendre. Moi-même, j'étais en mission chez toi, mais je ne savais pas en fait. Je n'avais pas encore réalisé que j'étais dans en mission chez toi. Vrai, vrai. C'est maintenant qu'elle réalise ça. Ah, ce n'est pas vraiment Lolo Fodja qui est ici, là. Allez un peu regarder le compte, là, parce que je vois les gens parlent de la veuve et la personne vient s'énerver. Je ne comprends pas. Mion reste une place, vrai, vrai. Mion reste une place. Regardez comment une femme est malade. Tu vois pour tuer la... Le live va attaquer les gars. Voilà. Il a dit que... qu'elle m'a monté le dossier pour faire les... Toi, tu connais écrire le français? Toi, tu connais écrire le français, puisque tu vas me monter un dossier. Ok, on dit que c'est Tata Lolo, d'accord. De toute façon, j'ai donné mon numéro. Si tu veux ton nude, tu sais où le trouver. Si tu ne veux pas, c'est toi qui vois aussi. Moi, je t'ai dit avec qui tu es. C'est le 25 juin qu'elle m'a envoyé ça. Maintenant, c'est à toi de voir. Comme tu aimes la souffrance là, il faut aller souffrir. C'est vous qui voyez. Tout le monde doit connaître. Tu m'as aidé à avoir la maison. Tu as monté un dossier pour moi. Maman, tu n'as pas peur quand toi-même tu sors ça de ta bouche, que tu m'as monté un dossier. Quelqu'un peut croire ça? Donc toi-même, quand tu te regardes, Elisabeth, quand tu me regardes, tu crois vraiment qu'on peut croire que toi, tu vas faire un dossier pour moi? Si elle veut, elle ne me croit pas, c'est son problème. Moi, je ne suis pas là pour la convaincre. Je l'ai prévenue. Elle fait ce qu'elle veut de ce que je lui ai dit. Moi, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre de leurs amitiés. D'accord?
Parce que maintenant, on dit que j'étais jalouse de sa relation avec Natacha. Pourquoi je ne suis pas jalouse de sa relation avec Lolo Fodia? Pourquoi je n'ai pas, comme on dit que c'est moi qui l'ai mêlé à tout prix? Pourquoi je ne l'ai pas mêlé aussi avec quand je clashais Lolo? Pourquoi? Pourquoi? Donc, elle m'a fait un dossier. Et puis, on m'a donné, c'est aussi elle qui paye mon loyer, non? Fumbap. C'est aussi toi qui payes mon loyer, non? Voilà, quelqu'un qui dit qu'elle avait aussi envoyé à Flore, puis elle a nié. Moi, c'est ici dans mon téléphone. C'est Dieu qui a fait, je n'ai pas effacé. Dieu est merveilleux. Parce que ça, c'est les choses que je ne garde jamais. Je ne garde pas les saletés comme ça dans mon téléphone. Je n'aime pas ça. Moi, je suis d'abord contre cette histoire d'envoyer les nudes des gens. Je n'aime pas ça. Je pense qu'elle a arrêté de m'envoyer justement parce qu'elle a vu que je n'ai jamais réagi. Je n'ai jamais parlé de ça. Je n'ai pas... C'est elle qui riait. C'est elle qui rit. Moi, j'étais choquée. J'avais de la peine parce que j'aime pas ça avoir une femme qui est exposée. Pour un HLM à Paris, il y en a qui attendent toute une vie. Maman, elle est bonne. Maman, la veuve, elle est bonne tuyau. C'est elle qui va trouver ma part. C'est tout, Karine Richaud. Allez toucher la veuve joyeuse. C'est elle qui a le secret de l'HLM à Paris. N'importe quoi. N'importe quoi. Elle va s'en prendre à elle. Vous-même, vous connaissez. Voilà. Tout le monde dit que c'est la veuve qui avait envoyé les nudes à Flore. Voilà ça. Moi, en tout cas, elle m'a envoyé. Je ne lui ai rien demandé. Je dis bien rien. Je peux vous montrer le début de la conversation. Je ne lui ai rien demandé. Et puis, je ne peux pas inventer un truc qui date du 25 juin. Excusez-moi quand même. Voici le même truc. Voici le même compte ici. Voici le même compte. Vous voyez? Elle dit que, quand elle vient vous dire que moi, elle veut voler ses trucs, elle vous dit qu'on ne parle pas que le travail. Voici ça. Voici ça. Moi, je ne peux pas ouvrir à distance. Je dois me connecter de ton téléphone pour savoir s'il y a un bébé. Parce que je ne voulais plus moi faire son travail à distance. Tu fais à distance. Voilà son nom, non? Voilà ça, c'est le même nom. J'invente. J'invente. C'est le même nom qu'avec les photos que je vous ai montrées tout à l'heure, les petits endroits que je vous ai montrés. Hein? Voilà. Donc, moi, je vais, comment dire, je ne voulais plus me connecter à son truc de loin parce que il fallait qu'elle m'envoie ses codes, qu'elle fasse tout. Moi, je ne voulais pas. Non, je préférais qu'elle vienne. Je prends son téléphone. Quand c'est un truc qu'il faut que je fasse de son compte, je prends son téléphone une fois. Je ne voulais plus me connecter à son truc de ma page. Mais elle dit que moi, elle voulait voler sa page. Voilà les trucs où j'ai dit que je dois avoir son téléphone pour parler. C'était le 27 octobre 2022. Voici une femme qui dit que je voulais voler sa page. Le 27 octobre 2002, me voici qui lui dit que moi, je ne peux pas ouvrir à distance. Je dois me connecter de ton compte pour savoir s'il y a un PB. Pas bien. Mais aujourd'hui, tout s'est bien passé au tribunal pour mon histoire d'argent. Là. Bon, ça, c'est autre chose. Voilà, vous avez entendu la voix, non? Vous avez entendu la voix, non? Qu'est-ce que Tata Lolo dit? Parle avec elle en inbox. Parler de quoi? C'est mon ami? Tata Lolo, c'est ton ami, hein? Si toi, tu as envie de parler avec elle en inbox pour arranger vos problèmes, va parler. Moi, elle ne me tient nulle part. Elle n'a rien sur moi. Et même si elle avait, je ne lui permettrais pas de me tenir. Qu'elle balance tout ce qu'elle a sur moi. Je vais régler son fuck up. Je parle parler quoi avec elle inbox? Je parle quoi avec elle inbox? De quoi? Tu vas entendre ce qu'elle me dit inbox et ce qu'elle vient dire après en direct? Hein? Elle me dit une chose à 15h et le soir, elle vient dire que moi, je suis fragile, que je sabote sa page, que je veux voler sa page. Tata Lolo, si toi, tu supportes ça, c'est toi. Moi, c'est parce qu'elle m'apporte. Toi, peut-être, apporte quelque chose. Moi, elle ne m'apporte rien dans ma vie que des emmerdes. Elle ne m'a apporté que de la merde dans ma vie, que des problèmes. À part la dame que j'ai rencontrée chez elle, parce que je ne veux même plus dire que tu me l'as présentée. Je l'ai rencontrée chez toi. Je l'ai trouvé sympa et c'est comme ça que je lui ai exposé mon problème. Toi-même, tu ne connaissais pas mon problème parce que toi, je ne te fais pas confiance. J'ai préféré confier mon problème à une femme que je ne connaissais qui est entrée le même jour que je l'ai vue là. J'ai préféré me confier à elle. Toi-même, tu entendais comme elle entendait et tu n'as pas tout suivi. Puisque je causais avec elle à part. Elle-même, elle ne connaît pas la suite. Tu vois un peu?
Voilà. Voilà. Nous n'étions pas bonnes amies. Elle t'a toujours bien parlé de moi. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle vient dire sur moi en public? Qu'est-ce qu'elle vient dire sur moi en public? Toi, tu sais ce qu'elle m'a dit sur toi? Hey, je ne peux pas parler ici. Je ne peux pas parler ici. Tu sais ce qu'elle m'a dit sur toi? Elle t'a toujours bien parlé de moi parce qu'elle voulait que tu viennes faire ta monétisation chez moi, non? Elle m'a parlé des problèmes que tu as avec ta monétisation. Maintenant, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Et je ne peux pas parler ici parce que c'est ta vie. Et que tu m'as rien fait pour que je vienne t'exposer ici. Hein? Elle m'a dit tout ça pendant que je te clashais. Tout ça là, je savais tout ça pendant que je te clashais. Hein? Mais c'est pas mon problème. Moi, je suis pas sur la toile pour descendre, pour humilier les gens. Je suis pas sur la toile pour faire que les gens se sentent mal. Quelqu'un va se suicider ici, vous allez, c'est là que vous allez comprendre. Vous allez aller en prison dans ce pays. C'est parce que vous laissez toujours, non, on va lui parler, Ibé, on va la cajoler jusqu'à quand. Je ne lui parle rien, Ibé, il va régler son fuck up sur Facebook. Il va régler ça ici, hoha. Tu as longtemps fait aux gens, tu as trouvé ton terminus, Elisabeth de Grébette. Tu as trouvé ton terminus, c'est moi, salope. Tu as m'utilisé pendant 6 mois et tu viens me salir. Et je dois te laisser parce qu'on dit que tu es veuve, imbécile. Veuve de quoi? Moi-même, je suis orpheline, salope. Moi-même, je suis orpheline. Où est mon chargeur, dis donc? Mon téléphone ne va pas s'éteindre. Aussi, gars, tu fais déjà aussi comme les femmes étonnent. Quand on vous dit que les bafans, c'est les bassins de l'Ouest, vous ne comprenez pas. Et aussi, gars, elle a dit un jour que, hein, elle a dit que tu es venu un jour chez elle, tu voulais le foufou. Elle a appelé son livreur que tu prends le foufou aussi. Et je suis allée chez elle une seule fois. Donc, je sais pas de quoi elle parle. Et si je prends souvent le foufou, est-ce que j'ai besoin d'elle? Je vais appeler mon propre livreur, non? Est-ce que je vais arriver chez elle et lui demander d'appeler son livreur? Alors que moi, si j'ai l'habitude de prendre ça, ça veut dire que j'ai un livreur. Alors pourquoi je vais m'exposer, appeler devant elle? Je vais appeler ici chez moi, prendre mon truc. Pourquoi il va aller m'exposer? Pourquoi? Elle balance quoi et ça va changer quoi? Tata Lolo, si toi, ton honneur, tu t'en fous. Moi, je ne m'en fous pas de mon honneur. Tu comprends? Et je répète encore, hein, Lolo, c'est ton ami. C'est pas mon ami. Et comme tu dis, même dans les familles, les sœurs se font le Congo ça. Non, moi, je ne fais pas ça avec mes gens. Non. Moi, je ne fais pas ça avec mes gens. Je suis désolée. Et regarde comment elle est en train de raconter des histoires sur moi. Tata Lolo, il faut aller là-bas lui dire d'arrêter de mentir sur moi. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que moi, au moins, j'ai dit la vérité. J'ai des vraies balles. Qu'elle arrête de mentir sur moi. Parce que moi, je n'ai pas encore commencé. Elle dit que je vends le piment à Saint-Germain en l'air. Toi, tu vends le piment là-bas avec Natacha. Hein? Et tu voulais en rentrant. Ce que tu voulais me dire en rentrant. Je sais ce que tu voulais me dire. Je sais exactement ce que tu voulais me dire quand tu disais qu'il faut qu'on parle quand je vais rentrer. Tu as commencé à me parler de la personne qui te fait souvent les annonces. J'ai compris que, en fait, tu veux que je te fasse les annonces, mais tu ne sais pas par où commencer pour me dire ça. Moi aussi, j'ai fait comme si je ne comprenais pas. Et t'es laissé t'embrouiller. Plusieurs fois, tu m'as parlé, tu m'as appelé, parlé des choses, hein, genre, que lui, ça travaille bien ici, hein, ça travaille bien ici. Même ici, ça travaille bien. Pour tâter le terrain, pour voir si je suis, j'ai fait comme si je ne comprenais pas. Parce que ce n'est pas mon monde. C'est là que tu as compris que tu ne vas rien avoir de moi. Donc même les annonces là, tu ne m'as plus demandé. Mais je sais que c'est ça que tu voulais. Je sais.
Par la personne qui te fait les annonces là, tu étais en palabre avec lui. Et quand tu es rentré, que tu m'as expliqué que tu étais en palabre avec cette personne, et j'ai compris pourquoi tu m'as expliqué ça après. Tu m'as expliqué ça pour retomber. Tu voulais que ce soit moi qui fasse le travail là pour toi. Zéro faute. Zéro faute. Et ce qui me sauve, c'est que moi je suis ici matin, midi, soir devant ma caméra. Et vous dites que tu ne travailles pas. Donc dites-moi à quel moment je pars à Saint-Germain-en-Laye, s'il vous plaît. Bouyaka, bouyaka, bouya, bouyaka, bouyaka. Cherche encore. Try harder. J'ai dit que je suis ici chez moi. Matin, midi et soir. Je fais les lives de 2 heures. Quand il finit ma journée, là, je suis à 8 heures de live, moi seule par jour. Je suis à 8 heures de live. J'ai compris, Tata Alette. J'ai reçu ton message. J'ai compris. Je suis à 8 heures de live par jour minimum. Parce que je ne fais que des longs lives. Tu peux me dire à quel moment je vais aller à Saint-Germain-en-Laye depuis Paris. C'est toi qui habites sur la route de Saint-Germain-en-Laye, sur le RER A. C'est ta route, c'est dans le 80. C'est à côté du 92. Moi, je suis à Paris. 2 heures de Paris. Je vais aller vendre le piment là-bas comment? Rentrer à quel moment? Venir faire les directs avec vous. À quel moment? À quel moment? Vous ne dormez pas avec moi, mais mes enfants dorment avec moi. Je fais les lives ici à 1 heure du matin, donc je finis avec vous à minuit là. 1 heure du matin quand je finis souvent. Et puis je prends la route, je laisse mes enfants ici pour aller à Saint-Germain-en-Laye. Ouais. Ouais. En RER, oui, parce que je n'ai pas la voiture. Donc je dois prendre le RER pour aller là-bas. Que c'est mon passé? Ouais, à Saint-Germain-en-Laye. Maman, je ne connaissais pas. C'est mon passé. Moi, je la connais depuis le 10 juin. Elle connaît mon passé chez qui? Moi, je la connais depuis le 10 juin. Elle connaît mon passé par où? Par où? Par où? Elle me connaît depuis le 10 juin. Le passé là, dans moi, vous pensez que je vais connaître la veuve? Et puis, je vais venir lui dire que comme tu vois là, avant, je partais à Saint-Germain en l'air vendre le piment. Je suis aussi stupide que ça. Supposons même que c'est vrai. Donc, c'est à elle que j'allais venir dire. Sur la toile-ci. Elle va me tuer de rire, cette vieille folle. Donc, c'est à toi comme ça là que j'allais venir dire que moi, je vends le piment à Saint-Germain en l'air. C'est chez toi qu'elle va venir dire ça. Ouais, pardon maman, va serrer les faux blancs que Natacha te donne là, comme toi-même tu as dit. Hein, que Natacha garde les bons blancs pour elle, elle vous donne seulement les faux gars, qu'elle t'a donné un allo gars qui chante dans les bars, un faux gars. Natacha va savoir qu'elle ne manque pas puisqu'elle va reconnaître le gars. Un gars qui chante dans les piano bars, un faux gars, hein, qu'elle garde les bons gars pour elle. Je n'ai pas besoin d'inventer. Ce que j'ai là, c'est la vérité et c'est suffisant. Donc, quand tu sortais pour clasher les fleurs de l'île, c'était de Waka. Toi-même, tu tombes ça encore en ce moment, même à l'heure où on parlait là. Tu tombes ça proprement. Quand tu vas chez Natacha là, c'est pour faire ça. C'est pour faire ça. C'est pour faire ça. Donc, si vous n'avez pas de vidéo, tout le reste là ne m'intéresse pas. Moi-même, je connais le trajet. Je suis une Parisienne. C'est la ville où j'ai grandi. Enfin, grandi. Où ça fait 17 ans que je suis ici. C'est beaucoup. En 17 ans, je dois connaître quand même les grandes villes de Paris. En plus, Saint-Germain-en-Laye, c'est pas n'importe quelle ville. Hein? C'est pas n'importe quelle ville. Le papa est cassé. Tout est versé. Tout est versé. Il fallait le faire. Il fallait le faire. Moi, je vends mon piment ici en direct. Je mets mes tenues sexy.
On m'envoie mes étoiles. C'est ça qui veut vous tuer comme ça. Vous allez tirer les valises de toutes vos vies. Non, c'est parce que les gens laissent là que ça continue. Non, je n'arrête pas et je ne me justifie pas. Je prouve qu'elle ment. Il n'est pas à me justifier. Je vous apprends à réfléchir. Parce que si vous réfléchissiez, quelqu'un qui vous dit que je vends le piment à Saint-Germain-en-Laye, à part ceux qui sont au pays, vous qui êtes sur la toile et sur ici tous les jours, à quel moment? À quel moment? À quel moment? Donc voilà. Pardon, Natacha, faut lui trouver un vrai blanc. Sinon, hein, tu vas bientôt sentir ça dans tes côtes. Comme tu gardes les bons gars pour toi seul. Vous voulez me mettre dans vos choses là? I am not interested. Leave me alone. Ok? Allez publier mes vidéos. Je ne veux pas aller vendre le piment avec vous. Je ne veux pas vous faire les annonces. Je ne veux rien avec vous. Je ne veux pas l'amitié avec vous. Voilà. Dieu merci. On me dit que tu es tout le temps en vidéo. Si je n'étais pas tout le temps en direct là, c'est que l'affaire s'y est entrée comme du beurre. C'est que ça passait crème. Mais comme je dors ici, je me réveille le matin et je suis sur ça. La nuit, je dors. Je dors à 1h du matin. Même pas. Je vous laisse à 1h minuit. Voilà Ted Désir qui dit « Je vis à Saint-Germain-en-Laye et je ne t'ai jamais vu. » Ouais, que... Oh. Mais Saint-Germain-en-Laye, c'est une commune bourgeoise. Et d'ailleurs, Paris Saint-Germain que vous parlez là, c'est un club de Saint-Germain-en-Laye. Paris Saint-Germain, c'est pas un club parisien. C'est le club de Saint-Germain. C'est juste que leur stade est à Paris. C'est tout. Le stade est à Paris, non? C'est pas ça? Ou je me trompe? Du n'importe quoi. Vraiment. Tu fais pitié. Elisabeth de Grébet. Tu fais pitié. Tu as compris? Mais peut-être il a fait un tour là-bas. Peut-être il a ses habitudes là-bas. Les étoiles, tu les mérites par rapport au contenu de tes directs. Force à Toshiga. Merci, Herman. Bisous. Merci pour tout le soutien que tu m'apportes. Finalement, je crois que tu es méchante plus que tu en dis, ma belle. Oui, mon beau. Oui, ma belle, je suis méchante. Va prendre un peu d'eau. D'accord? Ça va passer. Et ça va aller. On pleure pas, ok? Que ça va nous amener dans les dérapages? On est déjà dans les dérapages. On est déjà dans les dérapages. Comment ça va nous amener? Vous, vous êtes encore derrière. On a déjà dérapé depuis. On a dérapé depuis. C'est à cause des étoiles qu'on veut me tuer ici sur la toile. C'est à cause des étoiles. Tu jalouses même celle qui t'a donné la manne. Tu jalouses même celle qui t'a donné la manne. Celle qui t'a donné. Tata Lolo ne vient plus ici, me dit qu'elle va lui parler. Hiber. C'est la dernière fois. Parce que quand je t'appelle ici pour mes vrais problèmes, je ne te vois pas. Donc tes conseils là, ça passe dans mon anus. Tu as compris? C'est ta copine, c'est pas la mienne. C'est pas la mienne. Je t'ai dit que j'étais nude. C'est tout. Voilà, que tout le monde sache que votre amitié est fake. En tout cas, elle n'est pas ton amie. Peut-être toi, tu es son amie, mais elle n'est pas ton amie. C'est ça qui est question. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Non, ne viens pas ici me parler que va dans son Ibé, va. C'est elle est qui pour moi? Pour qu'elle lui donne autant de considération. Elle est qui? Tu dis que même dans les familles, mais nous ne sommes pas une famille. Dans les familles, les gens le font parce que c'est une famille. Ils ont des liens plus forts. Nous, on n'a aucun lien. Il n'y a rien qui nous lie à part la page Facebook. Maintenant qu'on est plus que ça, tu me parles de quoi? Merci, Herman. Merci, Mina Fikri, pour mes étoiles. On n'est pas amis. On n'est pas de la même famille.
Je dois aller dans son eBay, essayer d'arranger quoi. Il y avait d'abord quoi avant? On s'est connu par rapport à la monétisation. La monétisation est finie. Chacun prend sa route. Chacun prend sa route. Go, groupe d'étoiles, maman. Hein, Facebook, si aussi veut toujours manger l'argent sur nous, hein. Le groupe d'étoiles est lancé. Est-ce qu'elle t'a remis ce nul avant leur réconciliation? Moi, je ne connais pas quand ils se sont réconciliés. Je ne connais pas leurs choses. Merci, Vévé Koulou. Les gars, ceux qui n'ont pas encore envoyé les étoiles, il y a le groupe d'étoiles qui a enclenché. Geneviève Manding, merci pour mes étoiles. Que pas inbox. Oui, il n'a pas fait quoi inbox. Moi, j'ai rien à lui dire inbox. Notre chemin là, ça s'est séparé, c'est bon comme ça. Hein? Qu'elle me laisse. Oui, let me talk too much. I'm not talking with your mouth. OK? I'm not talking with your mouth. This is my job. I talk and I get paid for it. And you? Who pays you when you talk? Qui te paye quand tu parles? Moi, je parle, on me paye. Et tu viens me dire que je parle trop. Je vais parler trop pour être payé trop. Ah, merci Dorcas. Merci Karine pour mes étoiles. Karine Bibian Richaud, ma grande sœur de cœur. La veuve, voici encore le groupe d'étoiles. Elle va encore manger les étoiles sans toi et ça ne chauffe pas. Voilà. Je vais manger les étoiles. C'est mon travail. C'est le fruit du travail qui est fait sur la toile depuis ici et qui n'était pas récompensé. Dieu a dit que ma fille travaille. Je travaillais. Dieu a dit que travaille. Un jour, quand ça va s'ouvrir comme ça, toi-même, tu vas pas comprendre d'où c'est venu. C'est en train de s'ouvrir. Les salopes! Aujourd'hui, mon étoile brille. Vous voulez ma mort. Hey. Salope! C'est toi qui vas disparaître. Merci, Dollar, le petit chi. Mes étoiles, il nous manque combien? Marie Blandine, merci 500 fucking stars. Merci Karine, 500 motherfucking stars. Après elle va venir pleurer à minuit. Moi je suis cruelle, hein. Je connais pas ça, il n'est pas pitié. Il te reste même encore trop le souffle. Corona, là, ça n'a pas bien coupé tes sinus, là. Ça devait bien couper ça, comme ça, tu allais te calmer. Ça pâque. Tu crois que qui a peur de toi? Qui a peur de toi? Qui? 1 minute 50, il reste combien, maman? Merci, Ancy Cynthia! Si on valide, pardon, si vous voyez la célébration, une petite photo. Si vous êtes sur l'ordinateur, faites une petite photo pour moi, pour m'envoyer ça, comment on a validé un groupe d'étoiles. Je suis fière de vous, mes bébés. Merci. Merci pour tout. Oui, je ne pars pas travailler pour les étoiles. Laisse-moi. La fille d'Afrique, merci. Merci, la fille d'Afrique. Pour mes étoiles. Dites-moi si on a validé. Il a dit que le COVID là t'a loupé. Ça devait couper le souffle là. Comme ça tu allais fermer ta caméra. On allait respirer un peu. Connasse. Tu as vu mes petits? Tu aimes trop mes petits? Tu aimes trop mes petits? Merci Maureen. Attends, je vais lire le commentaire ici. Depuis le matin, même position, c'est les derniers jours de vacances. Quel moment tu fais les activités avec les petits? Toi-même, tu es sur mon live depuis le matin, tu fais les activités avec tes enfants à quel moment? Tu viens t'inquiéter de mes petits. Toi-même, tes petits, tu les as laissés ou pour venir t'inquiéter des petits des autres. Tu as vu mes petits à la maison? Mes petits sont en train de faire les activités là où ils sont en vacances. Moi, mes petits vont en vacances. Fumbap. Envoyez aussi vos enfants en vacances.
Moi, mes petits vont en vacances. Et pendant les vacances, ils ont des activités. Ils vont au cinéma, ils vont au bowling, ils vont au ceci, avec là-bas, les gens avec qui ils sont là-bas. Tu vois un peu? Pour que moi, ils puissent travailler. Tu vois un peu? Que je puisse travailler tranquille. Justement, comme mes petits ne sont pas là, c'est pour ça que je dois carburer. Parce que quand ils sont là, je fais mes vidéos en fonction de leur présence. Tu vois un peu? Il y a des heures où je ne peux plus faire de vidéos quand ils sont là. Parce que je respecte mes petits. Je ne viens pas dire 10 pétasses. 10 pétasses à un enfant. Non. Tu vois un peu? Voilà. Les paplinga. Les paplinga. Si ils ne travaillent pas, ils vont faire les activités avec quoi? Hmm? Quand il fait les gâteaux avec ma fille ici, c'est toi qui es là? Chouagne. Vous ne savez pas quoi trouver pour me déstabiliser, hein? Hmm. Voilà, parle à mon cul. Vous ne savez plus quoi faire pour me déstabiliser. La salope là dit que je suis dépressive. On va voir qui est dépressive. On va voir qui est dépressive. All the money that I'm getting is to have, to gain more money. Okay? And you are not beautiful. So you are looking for money just to look beautiful? Do you know you're gonna get old? Do you know that? So all your money is just to be beautiful. And after what? Do I eat beauty? Do I eat beauty? Am I gonna feed my children with my beauty? Connasse. My pauvre lot comme ça. That's why you're gonna stay poor all your life. Because beauty is more important for you than go find your own money. Voilà les bordels qui se baladent sur ma page. Que oh, tu as l'argent et tu n'es pas belle. Donc je cherche mon argent pour être belle. Au moins ça part comme ça. Je cherche mon argent pour être belle. J'ai accouché les enfants, ça prouve déjà que je suis belle. Ça prouve qu'il y a des gens qui sont montés sur moi. Qui m'ont trouvé suffisamment belle pour monter sur moi. Il va accoucher les enfants, les laisser là pour chercher l'argent pour me rendre belle. Pour qu'ils viennent me placer devant vous. Donc tout mon argent doit aller sur moi. Il doit aussi aller opérer tout mon corps comme vous pour me rendre belle. Il n'y a que les pauvres qui parlent comme ça là. Les pauvres filles. Les pauvres filles. Je ne travaille pas. C'est moi qui paye mon loyer. C'est tout. Attendez quand je vais vous demander de payer mon loyer. Vous qui dites que je ne travaille pas là. Attendez quand je vais venir vous dire que payer mon loyer. Là, vous allez vous plaindre. Pour l'instant, je ne vous demande rien. Donc, supportez. Merci, Louise Chabine. C'est les étoiles là qui vous font mal au cœur. On va toujours me donner. Je vais tout prendre avec mes deux mains. Dis merci. Dites-moi merci. Tous les jours, elle était sur vous. Envoyez les étoiles. Vous n'envoyez pas les étoiles. Vous n'envoyez pas les étoiles. Vous n'avez comment? Les étoiles. Les étoiles. Dites-moi merci. C'est moi qui suis allée derrière l'appeler. Dit que Mojang, il faut arrêter. Plus tu vas crier sur eux pour envoyer les étoiles, moins ils vont t'en donner. Arrête de faire ça. C'est contre-productif. Je le lui avais dit. C'est pour ça que vous voyez qu'elle ne demande plus trop. Elle va recommencer les jours. Si pas, la jalousie, le goître veut la tuer. Quand elle voit les étoiles chez moi, elle voit que chez elle, il n'y a rien là. Elle peut se tuer. Elle peut se tuer. Ruby avait insulté une de ses abonnées. Elle a eu sa récompense à l'aéroport. Donc, continue, tu vas à Lille. Je vous attends. Je vous attends. Elle est alors morte. Vous l'avez rendue encore plus tard. Elle est alors morte. Moi, les sauvages. Je vous attends à l'aéroport. Saleté. Vous n'avez pas dit que je n'ai pas les papiers. Il va aller faire quoi à l'aéroport? On vous a dit qu'elle me pavane comme ça. Je l'ai expliqué ici. Moi, je ne marche pas seule. Je connais mon statut. Je sais qui je suis. Je ne marche pas seule. Je reste chez moi. Et c'est pour ça que je ne peux pas aller habiter dans les quartiers compliqués. Je reste ici à Paris où je sais que je suis en sécurité. Dans un quartier bien. Où il n'y a pas les sauvages de Facebook qui vont venir m'agresser. Non. Non. Donc, je vous attends de pied ferme. J'espère que vous aussi, vous allez prendre vos précautions parce que dès que vous finissez de m'agresser, vous partez en prison. Il faut demander aussi à la fille qui avait agressé Ruby là,
Quel a été son sort? C'est la partie-là que vous n'expliquez jamais aux gens. Il faut leur demander. Il faut leur demander. D'accord? Quelle a été sa récompense? Celle qui a tapé Ruby là. Comme pour vous, c'est bien. Vous croyez qu'on est au Cameroun ici? On n'est pas au Cameroun ici. Oui, le jour où tu me croises, tape-moi le cul de ta mère. Viens d'abord montrer ton vrai visage. Comme ça, moi-même, je vais te taper le jour où je vais te croiser. C'est pas mieux? Tu caches ton visage? Merci, Louise Chabine, pour mes étoiles. Attends même, je vais faire une capture d'écran. Comme ça, je vais aller faire une main courante. On va trouver ton IP. Voilà, ça ne chauffe pas. C'est comme ça qu'on va vous traiter. Ray Robbins, il va amener ton IP là au commissariat. Parce que c'est écrit le jour où je te croise, je te tape. Donc, il n'est pas au commissariat. Il a dit que pardon, j'ai moi peur. Je ne connais pas qui se cache derrière ce profil. Moi, je suis une artiste. Je n'ai pas les moyens de me protéger. La personne me harcèle tout le temps, tout le temps. Tous tes messages sont là. Donc, on va garder ça. Tout le temps, chaque temps, chaque temps. Pardon. Vous devez trouver à qui appartient l'IPC. Moi, rentrer vivre au Cameroun, je ne peux pas. Je meurs ici, là. Un pays où on prend soin des gens comme ça. Un pays où on prend soin des êtres humains comme ça. Moi, je ne peux pas rentrer au Cameroun. I know fit. La capture est là, ça ne chauffe pas. Ta capture est au chaud. Oui. Oui. Oui, ma mère. Il y avait bien là piqué. Je vois que ça, si ça arrivait jusqu'à dans ton IB, ça veut dire qu'il fait fort. Il a cassé Facebook pour vous donner. D'accord? Voilà. Paris, ce n'est pas sa selle. Merci de leur dire ça. C'est bien comme c'est ton vrai profil. On va te retrouver plus vite. Oui, je vais aller te porter plainte. Ne t'inquiète pas. C'est ton vrai profil. C'est bien. Nous, on s'en fout de toi. On ne te connaît pas. Et je n'ai pas affaire à toi. Qu'il va te taper. Tu peux te tuer comme ça là pour quelqu'un qui n'a rien à foutre de toi. Ça fait pitié, hein? Tu manques autant d'amour. Tu n'as personne dans ta vie pour qui tu peux te battre. Pour venir te battre pour une sapaque qui est sur la toile. Tu n'as personne pour qui te battre. Ah, j'insulte les gens, va dire. Donc moi, vous allez m'insulter. Moi, je dois laisser. Tu es artiste, tu insultes les gens. C'est quoi ce truc de artiste là? Donc en fait, artiste veut dire c'est Pierre. Artiste veut dire tout le monde peut lui faire tout ce qu'on veut. C'est ce que ça veut dire. Montrez-moi où c'est écrit dans le dictionnaire qu'une artiste ne doit pas répondre au fuck up. Dites-moi où c'est écrit dans la définition que artiste c'est quelqu'un qui prend les insultes sur elle, qui ne dit rien. C'est écrit où? C'est écrit où? Hmm? C'est écrit où? Vous allez pleurer ici. On ne pleure pas. Ça vous a dépassé. Maintenant, c'est que je vais te taper. On ne pleure pas. Et vous avez déjà dit, quand on vient sur ma page ici, on laisse ses organes à la maison. On laisse ses organes à la maison. Je suis artiste 2.0, New Generation. Artiste digitaux. Nous sommes les artistes du futur. Les artistes nés avec le digital. Le digital, c'est le futur. Je suis une artiste du futur. Je suis une artiste futuriste. Je suis une artiste visionnaire. D'accord? Quand vous allez vous réveiller, ça sera trop tard. Moi, je serai là dedans. Vous avec qui? Moi, j'ai d'ailleurs tes étoiles, maman. Tu pleures pourquoi? Quand tu donnes là-bas, tu ne pleures pas. Va lui dire ça là-bas, non. Si on ne te bloque pas, c'est ici que vous venez vous exprimer, non. Ma mère, tu as vu que l'artiste fait comme tu fais là. Tu veux que je te compte 50 Cent, Kanye West, Tupac. Je continue. Voilà les artistes que j'ai vu faire ce que je fais. Kelis. Même Rihanna insulte correctement ses followers. Ce n'est pas parce qu'elle ne fait pas les directs. Hein. Rihanna... Elle aussi, avant, là, on laissait les commentaires. Elle venait, elle dosait bien même. Voilà. Vous comprenez? Voilà. Je t'ai cité quelques artistes qui font comme moi. Tu es satisfait? Je recommence. 50 Cent. Merci, Linda. 50 Cent. Joey Star. Eminem. P. Diddy. Kelis. Rihanna. Lauryn. Non, pas Lauryn. Qui encore? Booba, maman, j'ai laissé Booba à qui?
J'ai laissé Booba à qui? Je pleure depuis hier et mes larmes produisent de l'or. Vous vous pleurez depuis hier, vous n'avez même pas atteint 1000 étoiles depuis le matin. J'ai compté. Allez lui dire que j'ai dit que depuis le matin, elle n'a pas atteint 1000 étoiles. Elle n'a encore rien vu. Elle n'a encore rien vu. Même 1000 étoiles, tu as fait au moins 15 likes depuis ce matin. M'tesse, fouette, il n'y a rien. Tu ne sais pas que j'étais ton ange sur la toile-ci. Tu vas à Lille, tu vas à Yamo. Tu vas à Yamo. Oui, oui, la fille d'Afrique, tu vas me tuer, Seigneur. Elle dit qu'elle... Ils aiment les artistes qui baillent les frigos volés. Et j'en peux plus, punaise. J'en peux plus. J'en peux plus. Vous avez me tuer de la bise un jour. Merci Hervé Patrick pour mes étoiles. Merci Hervé Patrick. Quand je serai aussi dans ma tombe, je vais arrêter. Pour l'instant, je ne suis pas dans une tombe. Je suis bel et bien vivante. J'ai une bouche dont je parle. Quand je vais être dans ma tombe aussi, je vais arrêter de parler. Pour l'instant, je parle parce que je suis en vie. Tu vois un peu? Voilà les gens qui m'inspirent. Oui, c'est la concurrence des étoiles. Depuis, est-ce que c'est déjà? Que donc, c'est déjà la concurrence des étoiles. Et puis, ce qui m'amuse sur vous là, c'est que quand vous venez, les questions, la manière dont vous posez les questions, moi, j'ai l'impression, hein, dites-moi si je me trompe, hein, d'accord, corrigez-moi les gars. J'ai souvent l'impression que vous croyez vraiment que vous faites comme si c'est le proviseur. Vous faites comme si c'est le proviseur qui est en train de nous poser une question. Genre, je vais trembler. Que, quitte à, pourquoi tu fais ça? Viens m'expliquer pourquoi tu fais ça. J'ai peur parce que non, il faut que tu comprennes. Non, si je fais ça. Et mouf! Dibanou. Ensemble. Dehors, Queensland. Tu as compris? Tu veux comprendre quoi? Je suis folle, je suis droguée et dépressive. Tu cherches à comprendre quoi? Tu veux comprendre une droguée et dépressive? Tu veux comprendre quoi sur moi? Volcan là-bas! Que, donc, si je comprends bien, donc, machin. Mais je dis, on vous a dit qu'on est, on est dans, un centre d'examen ici et que vous êtes ceux qui doivent juger. Hein? Vous avez raison, je n'ai même pas mis un fond de musique. Oh, comment je peux faire ça? Depuis on est là, je n'ai même pas joué ma magnifique musique. Oui, parce que je suis artiste. Vous êtes quoi déjà? Vous êtes quoi déjà, vous? Moi, je suis artiste. Et il y a plusieurs plateformes qui peuvent la tester. Vous dites que vous êtes quoi? Maman, je ne retrouve même pas mon chargeur depuis là. Je suis là, je ne m'inquiète pas. Hein, alors que le téléphone, là, c'est toute ma vie, hein. Ah, le voici, je crois. Non. Okay. Où est mon chargeur, maman? Là, ça commence à m'inquiéter. Aide-moi ça. Quand le clash commence à vous dépasser, c'est que concentre-toi sur ta musique. Elle a éteint sa caméra. Je vais te montrer, veuve de gré, merde. Connasse comme ça, une salope sans jugeote. Elisabeth de Grébette. C'est ton nouveau nom. Tu as dit qu'elle tente de te prononcer. Elle t'a prononcé au moins 1 million de fois. Ton live est fini. Je suis toujours en vie. Je suis toujours en vie. Avec plus de personnes que toi en direct. Oui, je suis agitée. C'est mon comme ça. Elle est folle. Prenez-moi comme je suis. Je suis agitée, mais je ne suis pas bête. Vous êtes calme, ça vous sert à quoi? Vous êtes calme, vous faites des sorties stupides. Ce qui lui arrive là, c'est ce qu'elle a cherché. Elle est posée. Elle est posée. Hein? Mais là, voilà qui n'a plus d'administrateur. Pourquoi? Parce qu'elle est bête. Voilà, être posée là, ça ne lui a pas suffi. Voilà. Tous ceux qui viennent faire ici, genre, non, machin, qui font comme si ça ne leur dit rien, ce qu'elle a dit sur eux là. C'est parce que eux-mêmes, vous-même, vous n'êtes pas sincère. Non, ça ne vous dit rien. Parce que vous savez que vous-même, vous vous en foutez d'elle. Donc, même si elle envoie vos nudes chez les gens, ça ne vous dit rien. Ça, c'est votre problème. Moi, je ne marche pas avec la merde. Voilà. Moi, je ne cautionne pas la merde.
J'accorde le bénéfice du doute aux gens. Je ne la connaissais pas suffisamment. Je l'ai connue. J'ai vu. J'ai vaincu. Et maintenant, je m'en débarrasse. Je suis venue, j'ai vu. J'étais vaincue. Je t'ai vaincu. Ton fuck up s'arrête sur la toile. Si elle avait les ouais sur moi, c'est que le live là, elle est encore en direct. Elle n'a rien sur moi. Absolument rien de chez rien. Les gens qui sont avec toi derrière là, j'ai leur nom. J'ai leur nom. Ils ne sont pas sans papier. Donc vous tentez. Vous tentez de monter les choses comme vous avez l'habitude là, les vidéos, les conneries comme ça. Oui, c'est moi qui ai commencé. Je ne suis plus au niveau là. De chercher qui a commencé. Moi, je suis plus là-bas. C'est moi qui ai commencé. J'accepte. Allons seulement. Vous avez dit que je pleure, non? Vous avez dit que je suis fragile, non? Maintenant, c'est vous qui venez me dire que c'est toi qui a commencé. Ouais, vous cherchez encore qui a commencé. On est lancé. C'est devant. On ne regarde pas derrière. Tout droit. Tout droit. Vous venez encore chercher? Dans la salope, là, croyez vraiment que dit que je vends le piment, je suis lélé, je suis ceci, ça allait me faire mal. Jusque-là, ça n'arrive pas à me faire mal comme l'affaire que tu dis que j'ai saboté ta page là. Tout le reste que tu racontes là ne peut plus me toucher comme ça là. Ça ne peut pas. Oh, c'est moi qui lui ai donné la maison. Qui peut croire ça? Qui peut te regarder, me regarder, m'entendre, t'entendre et croire que toi, tu peux me faire un dossier pour un appartement? Et puis, j'ai eu le dossier en un mois. Oui, moi, je parle avec gesticulation, mais je parle en bon français, compréhensible. Toi, tu ne parles, tu ne gesticules pas, mais c'est les la, lui, le, partout. Des grémons, des grébêtes. Vous épousez les blancs et vous n'arrivez pas à prendre leur langue depuis que vous êtes en bain. Les la, lui, la base, le plus simple. Vous n'arrivez pas. Les femmes ratées comme ça. Toi, tu vas parler de quelqu'un, d'échec dans la vie de quelqu'un. Elle a osé me dire que c'est comme ça qu'on échoue dans nos vies. On échoue dans nos vies. Oui, laissez-moi. Laissez-moi insulter tout le monde. Pourquoi vous vous inquiétez pour moi? Pourquoi vous vous inquiétez pour moi comme ça? Vous m'aimez beaucoup, hein? Ouais. Vous m'aimez beaucoup, hein? Vous m'aimez beaucoup, hein? Je n'accepte rien. Donc, tu acceptes que pour Flore, ce n'était pas monté, c'est elle. Il n'accepte rien. Comme vous voulez tout ramener à votre reine ici, là, foutez-nous le camp avec ça. On ne veut plus parler d'elle. Son buzz est fini. Mais nous, vous voulez nous forcer à parler d'elle. On n'en parle plus. Le buzz est terminé. Les vues sont parties avec. Nous n'en parlons plus. Et toujours vous qui voulez ramener le nom de vos gens ici pour qu'on parle d'eux. Après, vous commencez à pleurer quand on vous dit la vérité. Oui. Maintenant, je n'ai pas eu besoin de compter, ma belle. Tu sais, quand il y en a peu, ça se voit vite. C'est ça. Je ne suis pas allée compter. Flore ne m'a pas ignorée. Elle était ici dans mon live. Désolée pour vous. Et même si elle m'avait ignorée, elle, c'est qui? Elle me donne à manger. C'est vous qui donnez l'importance à ces gens-là sur la toile. Et moi-même, ne. Vous voyez un peu? Attendez. Attends. Mais les gens, si même, il faut vous parler en quelle langue? Me tête, me ne. Et moi, elle vient donner l'importance à qui sur la toile plus que moi-même. Je suis, avant moi, c'est moi. Pendant moi, c'est moi. Après moi, ça sera encore moi. Dans ma tête, si. Personne ne peut m'enlever ça. Moi, je suis tout, le centre de l'univers. Pour moi-même, personne n'est mon centre de l'univers. Les oiveux comme ça. Et bien, elle était calme, elle était calme. Elle me calcule. Et quand elle calcule, les gens qu'elle calcule sont arrivés où? Ils se sont enrichis. Les gens qu'elle calcule sont devenus quoi? Hmm? Les gens qu'elle calcule sont devenus quoi? Ce n'est pas son live, hein? Foutez-moi le cas avec son nom. La personne qui va encore écrire son nom ici, je vous bloque. Attendez. La personne qui va encore écrire son nom ici, là, je vous bloque. Que prends-moi en vidéo, je te lave. Va laver ta maman. Tu vas monter dans le live de qui? Va allumer ta caméra. C'est facile. Donc, moi, j'ai fini de bavarder. Si vous m'insultez, vous dites que je suis agitée. Je me suis agitée jusqu'à ce que j'ai eu 45 000 abonnés. Pour te laisser monter, toi.
Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Et te laisse monter que tu es qui? Tu es qui? Puisqu'elle te laisser monter dans mon live. Pourquoi tu dises quoi? Que laisse-moi monter, je te lave. Donc, je vais te donner une audience chez moi pour que tu me laves. Quand on dit que qui s'assemble, se ressemble. Il n'y a que les fous pour aller aussi la suivre là-bas comme ça, là. Franchement, pour venir la défendre. C'est pas vous-même, vous êtes fous. C'est tout parce que vous êtes fous. J'insulte ta mère que je la connais. Pardon, excusez-moi, toi-même, c'est vous qui cherchez. Tu es où on t'insulte, tu restes pourquoi? Moi, où on m'insulte, moi, il reste pas. Hein? Moi, si on m'insulte là, je ne reste pas. Où on m'insulte. C'est pas possible. Tu as si peu d'amour propre. On te lave comme le poisson pourri. On insulte même ta mère. Tu as tout dit ici jusqu'à tu vas me taper. Et tu vas encore monter dans mon live. On t'insulte comme ça et tu ne pars pas. Et qui est? Hein? On t'insulte comme ça, tu ne pars pas. Ha! Prends-moi. Viens, je te prends. Ça, oui, je peux te prendre comme ça, là, si tu veux. Mais dans mon live, ça ne peut pas arriver. Mais mon frère, je suis dépassée. Mon live t'énerve. Tu trouves que j'insulte, mais tu restes là. Pourtant, je suis en train de t'insulter. Tu n'as pas de dignité. Hein? Tu vas finir par m'aimer. C'est comme ça ici. Vous êtes beaucoup ici, là. Ils sont beaucoup qui sont arrivés ici, qui me détestaient comme toi. Ils se sont installés. Ils ont fini par m'aimer. Eux-mêmes, ils n'ont pas compris. Peut-être tu ne sais pas. C'est ça qui est en train de te toucher comme ça. Tu ne sais pas pourquoi tu es tout là. Tu vas finir par m'aimer parce que je suis une fille amour. Non, je ne suis pas fair play, moi. Qui vous a menti? Moi, je ne suis pas fair play. C'est Natacha qui est fair play. C'est ce que la veuve a dit, non? La veuve a toujours raison. C'est pas ce que vous avez dit. Elle ne ment jamais. Elle a dit que Natacha est fair play. Moi, je suis un gros bébé. Moi, je pleure. Donc, non, je ne peux pas te laisser monter. Tu vas faire tes preuves. Il m'aime trop, tonton Tony. C'est juste qu'il ne sait pas encore. You don't know yet. Oh, les gars, franchement, hein, après la journée, si je ne pense pas que je vais encore m'énerver parce que j'ai. On ne peut pas t'aimer, tu attaques tout le monde. Toi, tu ne peux pas m'aimer, ma chérie, mais il y en a qui m'aiment. Et on ne peut pas être aimé par tout le monde. Ça, je le sais. Donc, je suis préparée à ça. Toi, si tu m'aimes pas, c'est pas grave. Je te connais pas, donc on peut pas être en manque de ce qu'on ne connaît pas, tu vois un peu. Comme je te connais pas, ton amour ne me manquera pas. Ceux qui m'aiment, oh, leur amour là, je le ressens quand ils me lèvent, j'allume ma caméra, je les vois arriver là. Ça m'ouvre tous mes chakras, la positivité, c'est ça qui me fait rayonner comme ça là. C'est vous mes amours, c'est vous les amours de ma vie. C'est vous les amours de ma vie. C'est vous qui me donnez le sourire là. Quand je pleure, c'est vous qui êtes là en bas. On est qui pleure. Je pleure bien parce que j'ai des gens pour écouter mes pleurs. Oui, vous aussi allez chercher qui va écouter vos pleurs. C'est facile dans les pays froissés. C'est vous mes amours. Donc, en amour, il y a les hauts et les bas. Ceux qui connaissent, qui sont matures dans la relation, ils restent et moi, on se supporte ici. Toi-même, il faut changer avant de venir me dire de changer. Tu as quel âge pour venir me dire à moi de changer? Tu as vécu quoi dans ta vie? Tu as réalisé quoi? Pour venir me dire qu'il faut changer. Il faut. Qu'il y a deux personnes sincères sur la toile. Tata Aline et la veuve. Maintenant, on clash la veuve. Kia, 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 kia. Et qu'est-ce qui est drôle? Je la clash pian et rien ne fait. Et je n'en ai même pas honte. Si tu penses que j'ai honte, je n'ai même pas honte. J'ai le droit de me tromper. Ça prouve que je ne les connaissais pas. En tout cas, celle-là, je ne la connaissais pas. Ça prouve que je ne la connaissais pas bien et que je ne la suivais pas. Parce que si je la connaissais bien, ça n'allait pas arriver. Et comme Dieu savait que les gens qui la connaissent bien ne peuvent jamais l'aider à monétiser, il fallait quelqu'un qui ne la connaît pas pour le faire. Réfléchissez un peu, soyez un peu, élevez le débat. Quelqu'un qui la connaît ne l'aurait jamais fait. La preuve, elle était là depuis. Ses amis ne l'ont jamais fait.
D'accord? Même ses amis ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce qu'ils la connaissent. Ils la connaissent. Donc, ils ne l'ont pas aidé. Si je l'avais connue, je suis sûre que je n'allais pas l'aider. C'est justement parce que je ne la connaissais pas que j'étais le bon maillon. Donc, Dieu est parti chercher quelqu'un. Dieu a sa façon de travailler. Les ancêtres, hein, pour moi. Il allait chercher quelqu'un étranger à tout ça qui allait venir sans a priori l'aider. C'est ça, hein? Toi-même, vilaine fille, je n'accepte pas les reproches de n'importe qui. J'accepte les reproches des gens qui me sont proches. Tu entends, dans reproche, il y a proche. Toi et moi, on est proche à quel niveau? Sapac. Moi, je suis vilaine, mais je montre mon visage. Kion. Voilà. On peut se tromper. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. J'ai le droit de me tromper. Donc, tu penses que j'allais venir faire semblant que tout va bien parce que j'ai peur de ce que vous allez penser? Parce que j'ai peur que vous allez rigoler? Mais vous pouvez rigoler. Moi, je ne regrette pas. Je n'ai pas à avoir honte d'avoir tendu la main à une malade mentale. Je n'ai pas à avoir honte d'avoir accordé le bénéfice du doute à une femme qui était mal, qui était abandonnée à elle-même seule, qui avait ses amis et personne ne la considère assez pour lui montrer comment aller chercher l'argent. Je ne regrette pas, ça montre que je suis une fille bien. Ce sont nos actes qui montrent qui nous sommes avant ce qu'on dit. Ce sont d'abord nos actes. Moi, j'ai prouvé que j'étais quelqu'un de bien. C'est pour ça que même quand j'insulte les têtes percées, les perdus qui viennent sur ma page là, quand je les insulte, mes abonnés ne vont aller nulle part. Parce qu'ils connaissent mon vrai cœur, ils connaissent mon fond. Ils savent qui je suis. Je me suis présentée telle que je suis. Et je suis une fille bien. Je suis une belle âme. Et il y a beaucoup de belles âmes qui me follow ici. Pourquoi c'est toujours vous, c'est tous les gens qu'on ne lit jamais ici qui se plaignent des insultes. Les gens qui sont assidus ici, là, eux, ne se plaignent pas d'insultes, c'est toujours vous. Elle ne m'a tendu aucune main. Pour faire quoi? Elle m'a tendu la main pour faire quoi? Pour réaliser quoi? Tu peux me dire, ou bien vous utilisez les mots parce qu'ils existent. Vous utilisez les mots parce qu'ils existent. Elle m'a tendu la main en quoi? Je suis allée la chercher. Elle est venue me chercher pour monétiser. J'ai monétisé. Je suis allée chez elle une fois pour monétiser toujours. Parce que ça s'est fait en 2 jours. La première fois, c'était au restaurant. La deuxième fois, chez elle. Et c'est la dernière fois que je l'ai vue. Elle ne m'a jamais aidé à rechercher un logement. Je suis dans un HLM. On ne recherche pas l'HLM. On octroie l'HLM. C'est la mairie qui donne l'HLM. C'est la mairie qui donne l'HLM. C'est pas les gens. Donc, je ne connais personne dans ma vie ici. Pour aller chez la veuve qui a changé ma vie. Et je ne suis pas venue ici vous dire. Et je ne viens pas vous dire. Bonsoir ma pépé. Je sais que partout on va doser ma foufou. Tu vas venir aussi écouter. Bonsoir la mère. Ouais, Facebook n'est pas bien. On ne peut même plus se cacher ici. Dès que tu veux faire un genre là, on vous voit. On ne peut même plus se cacher ici là. Elle n'a joué d'aucune relation. Où? Je vous ai dit que sa relation, c'est un policier. Une femme policière qui travaille dans le 92. Tu peux me dire comment une femme policière qui travaille dans le 92 va me faire avoir la maison à la mairie de Paris? Le 92, c'est en banlieue. Je n'ai pas envie de dire la ville parce que l'intimité de cette femme, je la préserve. C'est une femme qui a été gentille avec moi. Elle est très carrée. Rien à voir. Cristal, tu m'insultais, non? Tu as arrêté. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu m'insultais tout à l'heure, non? Mais elle vit à Toulouse. Elle ne vit pas à Monaco. Est-ce qu'elle vit à Monaco? Elle n'a jamais vécu à Monaco. Elle vit à Toulouse. Et même pas Toulouse, centre. Elle vit encore le nom. Elle a encore, sa ville a encore un autre nom. Donc, c'est même pas Toulouse, centre. Quand tu arrives, il faut encore aller dans les fins fonds de la campagne. Les milliardaires des campagnes bizarres. Ah!
joué de quelle relation? Elle a joué de quelle relation? Elle a les relations, elle ne se fait pas reloger. Elle connaît la route pour avoir un appartement en plein Paris. Et elle va rester dans le trou où elle est là-bas. S'il vous plaît, un peu de jugeote. S'il vous plaît, un minimum de jugeote comme ça. Je sais que les gens qui ne vivent pas en France ou en Europe, parce que même ceux qui ne vivent pas ici en France savent très bien. Tous nos frères des autres pays là, ils savent qu'en France, l'HLM, c'est le bijou. Il y a des gens qui choco, c'est-à-dire qui payent, qui choco, pour qu'on leur donne l'HLM. Donc pour aller corrompre les gens, pour avoir l'HLM, c'est une commission. Ce sont les gens qui se rassemblent à la mairie. Bon, je vous ai dit que la relation que moi ai parlé là, qu'elle m'a montré, c'est une femme policière. Une femme policière qui travaille au commissariat, dans un commissariat dans le 92. Déjà, quel est le rapport entre le commissariat et la mairie? Et ensuite, quel est le rapport entre un commissariat qui est là-bas dans le 92 et la mairie qui est ici à Paris? Ici, c'est Paris. Ici, c'est Paris. Elle peut me loger? Elle peut me loger? Et elle ne se loge pas elle-même. Pourquoi elle n'a pas pris l'appartement pour elle-même alors? Que sa relation. Elle a quelle relation? Elle n'a jamais logé personne d'autre avant moi. Pourquoi? Une salope comme ça. Qui va croire ça? Qui va croire ça? Il n'y a que les gens qui ne connaissent pas Mbeng qui peuvent croire ça. Tous ceux qui vivent ici, personne ne peut croire ça. On sait très bien comment ça se passe, les logements. Je l'ai connu, je le répète, le dit. Je l'ai connu. Je l'ai connu le 10 juin. J'ai eu ma maison le 14 juillet. Maman, elle a quelle qualité de relation qui me permet d'avoir un nouvel appartement en un mois à Paris, un HLM. Pendant qu'elle est croupie dans son trou qui, son trou puant là. Tu peux me dire si c'est logique? Donc elle-même, elle ne veut pas les beaux quartiers. Elle ne veut pas aussi un bel appartement dans un beau quartier. C'est à moi qu'elle va donner. Elle-même, elle a l'appart HLM. Mon appart HLM. Elle va se laisser, elle, pour me donner à moi un appartement dans Paris. Moi qu'elle a connu il y a à peine, je ne sais pas. Donc si elle m'a connu le 10 juin et qu'on m'a donné l'appartement le 14 juillet, ça veut dire que dès qu'elle m'a connu, là, elle a pris mon dossier alors. Pourquoi elle ne vous a jamais dit ça alors en direct que c'est grâce à elle que j'ai eu mon appartement? Pourquoi c'est aujourd'hui qu'elle vous dit ça? Puisqu'elle vous a toujours dit que de temps en temps, elle me choco. Elle l'avait toujours dit dans ses directs que de temps en temps. Sauf que de temps en temps là, c'est deux fois. Pourquoi elle ne va pas vous dire alors que c'est elle qui m'a aidé à avoir l'appartement? Vous pensez que si c'était vrai, elle n'aurait pas dit ça depuis? C'est maintenant qu'elle va dire ça? Donc, toi, ton HLM que tu as eu, toi qui dis que tu es dans un HLM chic et tout, c'est pas, ils veulent faire croire aux gens dans leur clash que l'HLM, c'est les trucs des pauvres. C'est faux, hein? C'est faux. Il y a HLM et HLM, hein? Ça dépend du quartier où tu es. Il y a HLM et HLM, hein? Qu'on vous dise ça, hein? Et moi, je peux affirmer que je suis pas dans n'importe quel HLM. Je ne vous dirai jamais dans quel arrondissement j'habite parce que je prends soin de moi. Je suis pas bête comme vous. Je suis pas arrivée ici sur la toile. Non. Je vous dirai jamais dans quel arrondissement je vis. Jamais, ni le nom de ma rue, ni rien. Quand je fais les directs, je m'éloigne très loin de mon quartier. Quand j'allume ma caméra dehors, c'est que je suis très loin de mon quartier. Voilà. Comme ça, vous ne pouvez même pas repérer mes rues. Qui est fou? Karine Bibian dit, je confirme, c'est une commission qui attribue les logements HLM. Et c'est sur logement libre. Il y a 3 demandeurs dessus à qui ça a été proposé, effectivement. Si un refuse, on passe au deuxième. Si le deuxième refuse, on passe au troisième. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Maman, donc moi, elle peut me donner l'HLM. Donc, depuis que je suis en France, je n'ai jamais fait la demande d'HLM. J'attendais d'avoir la veuve pour faire une demande d'HLM. Regardez les mensonges. Et elle dit que j'habitais dans un centre de femmes battues.
Dans les gens où j'habitais là, eux, ils n'ont pas fait ma demande d'HLM. Hein. Parce que ça, c'est les trucs sociaux. Quand tu habites dans les centres là, c'est eux qui font tout pour que tu sois logé. Donc, eux, ils vont pas, ils vont, c'est elle qui va faire. Supposons que j'habitais dans un centre de femmes battues. Donc, le centre là n'a pas pu me loger. Hein. C'est la veuve qui m'a logé en un mois qu'elle m'a connue. Ouais. Ouais. Arrête, quand tu as une famille, une quotidienne, quand tu as une quotidienne familiale élevée, on te dit d'aller vivre, d'aller voir le privé. Donc HLM, c'est les pauvres, c'est comme ça en France. On voit ça, tu t'exprimes tellement bien en français, ça se voit que tu sais de quoi tu parles. Je ne vais même pas me justifier avec toi, j'en ai terminé. Ceux qui ne croient pas, allez donc chercher aussi l'HLM, on vous donne, je vois. Comme c'est facile. Oui, je prends les choses à cœur, je suis comme ça. Donc, vous mentez pour qu'on les prenne à quoi? À anus. On doit prendre les choses à fesses. Quand elle m'appelait à 1 heure pour me mettre la pression pour sa page, c'était pas à cœur. Là, ce n'était pas prendre les choses à cœur. Comme si c'était mon problème. C'était ma page pour que je me réveille à 1 heure pour gérer ses problèmes. C'était ma page. Et que tu prends toutes les choses à cœur. C'est faux! L'HLM, c'est pas pour les moins nantis. Il y a les cadres qui sont en HLM. Ce qu'on appelle le 1% patronal, c'est toujours les logements sociaux. Parce que ce n'est pas du privé. Ce n'est pas du privé. Merci beaucoup. Voilà quelqu'un qui donne les réponses. Monsieur Zemmour vivait dans un HLM. Il n'était pas pauvre à l'époque. Laisse les souffreteux là, comme peut-être eux, on les a mis dans les HLM pourris. Ils pensent que c'est le cas pour tout le monde. Non, non, non. Elle a fait comment pour avoir un HLM sans papier? Très bonne question aussi. Il paraît que je suis sans papier. Mais la veuve, elle est tellement puissante qu'elle elle a réussi à faire que j'ai l'HLM en un mois et sans papier. Du jamais vu en France. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Laissez-moi prendre tout au premier degré. Vous n'avez pas encore pleuré. Il va être tout cassé ici. Ils sont en train de dire, pourquoi tu prends tout au premier degré? Mais parce que je suis dépressive. C'est ce qu'elle a dit, non? Alors, qu'est-ce qui vous étonne que je prenne les choses au premier degré? Ma pépé est encore là. Il faut qu'elle écoute comment son amie la supplie. Oui, comment elle me suppliait. Reste avec moi. Tu vas me laisser à qui? Tu me laisses seule, pourquoi maintenant? Eh, maman Jean, c'est que moi je t'aime beaucoup, hein. Vous avez écouté, non? C'est au début de la vidéo. Bande de rienneux. Allez là-bas! Elle vient gueuler devant vous et derrière, elle vient baisser sa culotte, sa sale culotte. Hein? Pour supplier. Et vous voulez qu'elle discute quoi avec celle-là? Qu'elle va aller dans son eBay pour lui dire quoi? Non, ma cible, ce n'est plus Natacha. Moi, j'ai fini là-bas, hein. Regardez-moi les sorciers ici. Mais ton cible, c'est Natacha, non? Ou la veuve, toi aussi. Mon cible, c'est les deux. Mon cible, c'est les deux. Supportez. On ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Vous voulez qu'elle quitte sur elle? Elle croyait qu'elle connaît bavarder. Oh, personne parmi vous sur la toile ici ne peut bavarder plus que moi. J'aime les problèmes, vous n'avez pas idée. Dès qu'on me donne l'occasion comme ça de faire les problèmes, je m'accroche dessus. Quelqu'un maîtrisait ses démons. Vous avez cru que je suis une pauvre chose fragile parce que vous avez vu mes larmes en direct. C'est sur la base de quels revenus annuels? Moi, on ne m'a pas donné le logement sur la base de mes revenus annuels. Pas du tout. Et puis, on ne dit pas annuel, on dit annuel. Vous les connaissez, n'importe quoi. Moi, ce n'était pas sur la base de mes revenus. Je suis désolée. Voilà, si pour vous. De mes revenus annuels, en tout cas. Non, non, non. Oui, en Allemagne, on est logé sans papier. Pas en France. Moi, je vis en France. Sapac. Toi, tu vas mourir sur ma page ici, là. Je ne vais jamais te bloquer. Tu es condamné à souffrir sur ma page. Moi, les sorciers comme ça. C'est vrai, il y a HLM cher, voire très cher. 1 500 € par mois. Je vais vous dire quelque chose. Quand tu entres dans un HLM, même quand tes revenus montent, on fait augmenter le prix du loyer. Donc, au fur et à mesure même, tu sors même de l'HLM. À un moment, tu te rends compte que tu payes un prix même. Ça n'a plus rien à voir avec ce que vous dites là. En fonction de tes moyens, de la composition de ton foyer. D'accord?
Moi, je n'ai bloqué personne. Je vous ai vu mentir là-bas à votre veuve machiavélique. Je vous ai vu écrire là-bas qu'elle est en train de bloquer tous tes warriors. Un gros mensonge. Un gros mensonge. Je ne vous bloque pas. Je vais bloquer qui, je vous bloque qui va travailler sur ma page. Je suis fou. Moi, je ne suis pas bête comme elle. Hein. Elle vous a tous bloqué là-bas. Maintenant, elle n'a plus les vues. Elle vient pleurer. On dit que c'est Oshiga. Maintenant, elle fait les lives. Il n'y a personne pour partager. Il n'y a pas assez de commentaires. Il n'y a personne pour mettre les étoiles. Elle vient m'accuser. Tout ce qui t'arrive, c'est toi. Tout ce qui t'arrive, c'est toi. Les députés, on les HLM. Même Nicolas, même Macron habite Ndjor, où il est là-bas. Les ministres, on les HLM. Les anciens présidents sont tous logés. C'est parce qu'ils sont pauvres. Allez chier au rail. On m'a bien logé parce que je suis une mère célibataire qui se débrouille. Je suis une mère célibataire qui se débrouille et qui participe. Qui participe à l'économie de ce pays. Pourquoi me loge? Ça faisait 9 ans que j'attendais. 9 ans. Et 7 ans que j'avais le dalo. 7 ans. J'ai attaqué la préfecture. C'est comme ça qu'on m'a logé. Oui, sa PAC va venir parler qu'elle a fait le dossier. Qu'elle vous dise quel dossier elle a alors fait. C'est quel dossier qu'elle a fait? C'est quel dossier? N'importe quoi. Les revenus annuels, là, on calcule ça après, chaque année. Ce n'est pas quand tu viens entrer dans le logement qu'on calcule tes revenus annuels. On regarde ton avis d'imposition, ce qui est normal. Mais ce n'est pas sur tout ce que tu as eu l'année qu'on regarde, non. On regarde ce que tu as là, si tu as une situation stable. Non, si tu ne travaillais pas il y a 6 mois, on ne va pas te donner l'HLM, on va donner. Si là, là, tu travailles et que tu as les moyens de payer. J'attends l'HLM depuis 9 ans sur Paris. Avant ça, j'ai habité le privé à Montrouge. Pas n'importe quel quartier. Pas n'importe quel quartier. Ce n'est plus Saint-Germain-en-Laye, c'est maintenant le bois de Boulogne. Même à l'hôtel de ville, je prends l'avion, je pars là-bas, après je reviens ici. Même à l'hôtel de ville, je pars. Le Dalo, j'ai fait le Dalo. Tu as raison, ma fille travaille dans le Dalo. Merci Yvette Caroline. Venez leur expliquer à cette villageoise-là. Ici, là, on ne sort pas d'ici bête. Voilà les gens qui vous abrutissent avec les mauvaises informations. On vous a dit que c'est le Cameroun ici, qu'elle a fait que tu aies le logement avec ses relations. Quelle relation elle peut avoir ici-là? Quelle relation à ce niveau-là? Vous connaissez même de quoi vous parlez? Vous savez de quoi vous parlez? J'avais le Dalo depuis 7 ans. 7 ans que j'ai le Dalo. Je les ai attaqués. Je les ai attaqués afin d'être dédommagés. Parce que quand tu fais recours au Dalo, ils versent l'argent-là. Tu gagnes parce que voilà, tu as été reconnu. Machin. Donc, s'ils ne te logent pas quand tu fais recours, ils doivent payer une somme, verser une somme dans des caisses qui vont servir à construire des HLM. Ça, c'est la règle. D'accord? Maintenant, quand ça a duré comme ma part là jusqu'à 7 ans, là, quand tu attaques, ce n'est plus pour que ça aille dans les caisses, c'est pour que ça vienne chez toi. Et je vous apprends d'ailleurs que je n'en ai même pas fini avec eux. Parce que malgré qu'ils m'ont logé là, j'ai quand même le droit de continuer la procédure et les faire payer pour 7 ans d'attente pour nous trois, mes enfants et moi. Vous imaginez le choco de ça, vous allez pleurer ici. Parce que quand moi je mange en silence. Et moi, je ne viens pas beaucoup bavarder. Voilà comment nous, on cherche nos dos ici en Beng. D'accord? D'accord? Tu étais à la rue de la République? Moi, j'étais à la rue Racine. Il y a une maison bleue à la rue Racine qui est célèbre. On en parle même à l'école. C'était mon immeuble. Il y a un immeuble rose en face et l'autre est jaune. La rue Racine. C'est là-bas que j'habitais à Montrouge. L'immeuble bleu vif qu'il y avait là-bas. On en parlait même dans les écoles. Mon fils était à l'école sur l'avenue, le truc de la République. L'école, comment j'oublie le nom de l'école? On parlait même de notre maison en classe avec lui. Enfin, avec ses camarades et tout, il était super fier et tout de notre maison bleue. Une maison bleue vif. Très vif. C'est un bleu comme ça là. Enfin, c'était un immeuble, mais ils appelaient ça la maison bleue. D'accord? C'est là-bas que moi j'habitais. Dans le privé, j'ai payé mon loyer. Je travaillais, je payais mon loyer. D'accord? À Montrouge, je n'ai jamais habité les quartiers compliqués parce que mon enfant, j'avais un garçon, je fais attention à mes enfants. À Maurice Duval, ouais, ouais, ouais.
Coucou, ma mise à jour, j'ai eu la même procédure il y a 9 ans. Voilà. Dalo, non? Non, Dalo, est-ce que ça existait? Hein? Je ne sais pas. Hein? Ah oui, ça existait puisque j'ai 7 ans. Ouais, ça existait déjà. Donc, je les ai attaqués pour me faire dédommager. Et qu'est-ce qu'on fait? On compte le nombre de personnes dans le foyer. Donc, les enfants et moi, ça fait 3. Et on dédommage par personne. Par an ou par mois, je ne sais pas. Mais en tout cas, à la fin, là, normalement, c'est des petites sommes par personne. Mais comme on est 3 et que c'est sur 7 ans, je vous laisse compter. Ça va péter quand je vais toucher l'argent, là. Ça va être propre. Je vais mettre ça dans ma musique. Après, ils vont me dire, eh ben, le piment. Non, 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 j'utilise mon sens. J'utilise mon sens. Vous comprenez? Mamisa, si tu as déjà fait ça, Carole, dis-moi s'il te plaît. Oui, merci, Crystal Gold, 131 euros par personne. Vous voyez que vous connaissez, c'est vous qui m'insultiez, non? On va finir par tomber d'accord. On va finir par tomber d'accord. Dites-moi, les filles, on vous a déjà payé. Parce que moi, depuis que j'ai eu la piole, là, je suis allée m'asseoir. Je ne calcule plus l'avocat. Mais il faut que j'aille le voir. On continue. Parce que ce genre de truc, je ne peux pas utiliser ma protection juridique. Parce que la protection juridique n'attaque pas l'État. Ils ne peuvent pas attaquer l'État. Donc, je suis obligée d'aller prendre un avocat privé comme je l'ai fait. Et donc, l'avocat là, il faut que je le voie. Mais je vais changer d'avocat. Parce que franchement, hein, nous, hein, nos frères noirs là qui sont avocats, laisse tomber. C'est pas la peine. C'est pas la peine. On veut travailler avec les frères. Mais je vous assure que les avocats afro ici, la majorité en tout cas, enfin, j'en ai déjà eu 2 ou 3 et à chaque fois, ils sont laxistes, mais c'est un truc de ouf. Dans leur comportement, le comportement qu'on a en Afrique là, avec le travail, c'est ça qu'ils ont ici. Vous voyez, c'est des professions libérales, donc c'est compliqué. C'est parce que celle-là raconte. D'accord? Donc, moi, je vais revoir l'avocat ou aller trouver un autre, je ne sais pas encore. Le mieux serait de continuer avec lui parce que c'est lui qui connaît l'affaire. Et on va continuer la procédure. C'est parce que maintenant, je suis à la maison. Je suis chez moi, enfin. Après 9 ans d'attente dans mon HLM. Et je suis en train d'aménager le chez moi. Et tout, doucement, doucement. Donc, je ne veux pas courir derrière beaucoup de choses à la fois. C'est pour ça. Mais sinon, le moment venu, c'est mon argent qui dort là-bas. Ça ne chauffe pas. Il y a 7 ans avant que je sois logée. Donc, j'ai 7 ans d'indemnisation qu'on doit me donner pour tous les préjudices que ça m'a causé. C'est la loi, c'est la France. Voilà. Moi aussi, je peux aller faire ça. J'ai fini quand on me choco. Vous avez dit que c'est 131 euros, non? Donc, calculez. 131 euros fois 3. Sur combien d'années? C'est par mois ou c'est par année qui paye? Parce que si c'est par année, c'est pas beaucoup, hein? Hey! Si c'est par mois, là, ça devient intéressant. Si c'est par année, c'est pas beaucoup. C'est pas moi, rassurez-moi, parce que je me rappelle plus. L'avocat m'a dit tout ça, mais j'ai dit, bof, quand je vais m'y mettre, tout ça va revenir. Le préfet de mon département avait reversé 15 000 euros pour la reconstruction. Non, moi, c'est à moi qu'on va donner ça. Donc, dites-moi combien ça peut faire. Voilà le touchement qu'il va bientôt avoir. Je n'aurais pas parlé, mais comme on est en train de parler de ça, il vous dit pas, il doit vous dire comment on vit dans ces pays-ci. Marchez avec vos têtes, c'est pas la peine de tirer les valises. Vous voyez un peu? C'est par mois. Hey! 131 euros par mois, sans compter la prime scolaire, si tu as travaillé les primes d'activité. Non, mais j'ai mes primes d'activité. Là, tu parles de quoi? Tu es pas en train de parler de la CAF? Moi, je parle pas de la CAF, hein. Moi, je te parle du Dalo, hein, mais je sais que c'est 100. C'est une centaine d'euros, en tout cas. C'est pas grand chose. C'est une centaine d'euros. Le truc, c'est que ça va faire beaucoup. Ça va faire beaucoup. Non, la prescription ne peut pas avoir lieu parce qu'on a attaqué l'année dernière. C'est ça qui a amené au relogement, justement. Parce qu'on les a attaqués. Donc là, on va seulement continuer la procédure pour exiger quand même réparation, dédommagement. C'est de ça qu'il s'agit. Vous venez ici jouer. Vous savez quand j'entends la salope de Toulouse, elle a dit qu'on doit se soumettre ici. Vous m'entendez ça? Comment je ne vais pas réagir? Quand je connais comment moi il fonctionne ici, là, que moi il doit me soumettre. Si je me soumettais, vous connaissez combien de personnes m'auraient baisé dans ce pays? Vous connaissez combien dans combien d'entreprises on a essayé de me niquer mes indemnités? Si je n'étais pas hier, si j'étais une go gaou, c'est que tous mes patrons ont mangé sur moi. Parce que partout où j'ai travaillé,
Sauf un là. Mais bon, eux, ils connaissaient que moi, ils savaient qui j'étais. Donc, ils ne pouvaient pas tenter. Mais les autres, tous les autres ont toujours essayé de m'entuber. Je dis que c'est indemnisé. Tu dis que les millions de familles seraient payées. Ils ont attaqué. Ils n'ont pas attaqué. C'est indemnisé. Si vous n'attaquez pas, on ne va pas vous indemniser. Si tu ne demandes rien, on ne va rien te donner. Si tu attaques, tu seras indemnisé. C'est ça qui est la vérité. Moi, je vous ai dit que j'ai à gagner contre la préfecture même de police dans ces pays. Ils m'ont dédommagé. Donc, quand c'est là qu'elle n'a pas les papiers, je suis morte de rire. Moi, j'ai attaqué la préfecture ici. Et ils m'ont dédommagé. C'est parce que vous ne connaissez pas vos droits. Continuez à tirer les valises. Nous, on utilise ça pour s'instruire, pour se cultiver et se débrouiller dans le monde si qu'on a. Naviguer dans les eaux troubles. Il faut être équipé. Voilà. C'est ce que je fais quand je suis assise ici. Quand on me dit que tu ne travailles pas. Quand je suis ici, je prends mon téléphone, mon ordi. Je vais sur Google. Je tape les articles de loi. Vous croyez que c'est quoi? C'est du travail. Merci Karine. Déjà, tous les demandeurs n'ont pas le DALO. Là, il s'agit du DALO. Hein. Ce n'est pas tous les demandeurs. Là, il s'agit du DALO. Pas les demandeurs, ceux qui ont le DALO, donc ceux qui sont reconnus comme prioritaires au logement, c'est eux qui peuvent attaquer et être indemnisés. D'accord? Que oh, tu ne travailles pas. Vous connaissez ce qu'est fait mon ordinateur? Hein? Dans mon ordinateur, il y a aussi un truc qu'on appelle garage. Enfin, il y a ça aussi dans mon téléphone, Apple, tout ça. Je suis en train de me former dessus. Voici ça, garage. Je suis en train de me former dessus. D'accord? Pour apprendre à composer un peu des mélodies, à arranger un peu. Moi, je n'arrête pas de chercher. Et va travailler. Pour vous, le travail, c'est aller s'asseoir au bureau. Ça, c'est du travail. Concentre-toi sur ta musique. C'est vous qui faites ça. Et moi, ou bien je dois allumer ma caméra, vous montrer quand je suis en train de m'embrouiller, de me tromper, de recommencer, de ceci. Attendez, je vais vous montrer. Vous lisez là? Voilà. Coup de guitare, coup de piano. J'ai un piano que vous m'avez acheté. Il faut que j'apprenne à en jouer. Il faut que je vous appelle, que je fasse un live. Et puis je me place devant vous en live. Je m'embrouille, je me trompe sur les notes. C'est ça que vous voulez voir? Pour servir à quoi? Ça sert à quoi? Donc quand je travaille la musique en aparté. Le but est de vous surprendre. Je ne sais pas si vous avez vu un artiste aller en studio, se filmer pendant qu'il en tient et chanter en studio pour vous montrer. Jamais. Mais comme eux, ils ne viennent pas parler sur la toile pour vous, c'est qu'eux, ils sont concentrés. Vous connaissez ce qu'ils font de leur temps quand ils ne sont pas sur la toile? Vous savez ce qu'ils font de leur temps? Non. Bah oui, c'est vrai. Le clash, c'est aussi un travail, car bavarder et distraire n'est pas facile. Ils me font rire. Depuis le matin, me voici assise ici à 19h30. Vous savez si j'ai mangé? Moi, je n'ai pas mangé. Donc, je vais être obligée de sortir là, aller chercher quelque chose à manger. Parce que je n'ai pas cuisiné, moi. Moi, je ne cuisine pas les jours-ci. Et qui ne cuisine pas? Il n'y a pas les enfants. Donc, je ne vais pas me fatiguer. Je vais aller me chercher un truc à manger. Ou je vais appeler mon garde du corps. Voilà. Mon ange gardien. Oui, hein, parce que si vous dites que vous allez me taper là, il faut vous préparer. Moi, je ne marche pas seul. Je ne marche pas seul. Parce que je connais à qui je suis. Donc, je ne marche pas seule. S'il n'y a pas moyen, je reste chez moi. C'est tout. Si ma sécurité n'est pas assurée, je reste chez moi. C'est tout. Donc, on va s'arrêter là. C'était l'épisode d'aujourd'hui. Bon. Degrémont. Elisabeth Degrébet. J'attends, hein. Tu as la suite. Il y a la suite. De tous tes mensonges là. Il y a la suite ou bien c'était tout. Parce que franchement, hein, ça ne m'a même pas effleuré. Je pensais que tu allais faire fort. Donc c'était tout. Même pour inventer là, franchement, t'es pas... I am not alone. Nafisa Karba. Bonjour ma belle. Bon, j'étais même déjà dit bonjour le matin. Rebonjour. Parce que vous croyez que je suis seule. Voilà, vous avez dit comment j'ai eu mon appartement maintenant. D'accord? Je vous ai dit comment j'ai eu mon appartement. C'est bon maintenant?
On peut avancer, mais parler qui ne savent même pas comment remplir leur propre nom dans les formulaires. Tu vas venir dire que toi, tu peux donner l'appartement à quelqu'un en France, à Paris. Dans mon quartier où je suis là. Et toi-même, tu ne prends pas. Le quartier où il y a les loups white comme ça, là, toi, tu allais me laisser prendre ça. Toi, tu ne prends pas. Qui va croire ça sur Facebook? Qui peut croire ça sur Facebook? Que toi, comme ça, là, jalouse comme tu es là, tu vas te laisser pour faire que moi, on me donne l'appartement que j'ai ici. Dieu merci, tu n'es jamais entré ici. Dieu merci, tu n'es pas entré chez moi. Dieu merci, tu ne connais même pas mon arrondissement. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu dis que tu m'as eu, tu ne m'as rien eu. Moi, je suis entrée chez toi, j'ai vu ta sale maison. Toi, tu ne connais pas le chez moi. Ni mon ancienne maison, ni ma nouvelle maison. Tu ne connais pas mon adresse. Tu ne connais même pas mon arrondissement. Tu ne connais aucun de mes amis. J'ai dit amis, hein, pas les connaissances avec qui tu es assise là-bas. Ami. Lui-même, il ne connaît pas où j'habite. Il n'a jamais su où j'habitais. Lui-même là. La connaissance là. Pourtant, moi, j'allais chez lui. Pourtant, moi-même, j'allais chez lui. Lui, il ne connaît pas où j'habite. D'accord? Voilà. Donc, quand tu dis que j'étais eu, tu peux avoir qui? Tu ne m'as jamais eu. Moi, je suis venue pour t'aider. C'était mon rôle de t'aider. Donc, j'étais aidée. Mais aujourd'hui, là, c'est toi qui as tout perdu. Moi, je n'ai rien perdu du tout. Tu ne m'as eu en rien. Et aujourd'hui, toutes les personnes qui avaient encore pitié de toi, qui pensaient encore que tu es quelqu'un, aujourd'hui, là, grâce à moi, ils vont savoir ce que tu es. Parce que les autres avec qui tu clashes souvent, elles rentrent dans le mensonge comme toi. Donc, du coup, on ne les croit pas. Comme moi, on sait que je ne mens pas. Hein? Comme moi, on sait que je ne mens pas et que j'ai les preuves. Maintenant, tout le monde sait quelle race d'amis tu es. Le 25 juin, tu m'envoyais les nudes de Lolo Fodia et de sa petite sœur d'après toi. Hein? Alors que je ne t'avais rien demandé et tu te réjouissais de ça. Je ne sais pas ce que j'étais censée faire avec. Je ne sais pas ce que j'étais censée faire avec. Tu es une sorcière. San Kalekoum, je vais te répondre. Toi qui es dans le spirituel, ce n'est pas la vie. Laisse-moi te dire que même la violence fait partie de la spiritualité. Toutes ces émotions-là, tout ça, ça fait partie de la spiritualité et ça fait partie de nous. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour se jouer les saints. La spiritualité, ce n'est pas être religieux et saint comme vous avez connu ça dans vos religions. Ce n'est pas ça la spiritualité. La spiritualité, c'est parcourir l'ensemble de ton être. Moi, je sais tout ce que je suis et je suis à l'aise avec ça. Donc, je suis aussi la sauvage que vous avez en face de vous là. Et je suis à l'aise avec ça. Et c'est important d'explorer cette part de moi. Si je ne l'explore pas, je ne pourrai jamais la maîtriser même. Avant de pouvoir maîtriser, il faut que j'explore, il faut que je rentre dedans. Et c'est à partir de dedans là que je vais commencer à pouvoir maîtriser, me maîtriser. Donc quand tu dis Nafissa, Nafissa très bien quelle, elle sait très bien quelle heure il est, elle sait très bien ce que je suis. Donc elle ne peut pas me demander d'être autre chose que ce que je suis. Et tu ne peux pas trouver de l'or. Si tu n'entres pas dans la boue, tu ne peux pas trouver de l'or si tu n'entres pas dans la boue. Tu comprends? Tu ne peux pas trouver des pierres précieuses si tu ne pars pas patauger dans la boue. En d'autres termes, une expression que vous connaissez un peu plus, pour faire des omelettes, il faut casser des œufs. Tu vois un peu? Il y a aussi un truc que j'aime souvent prendre, une métaphore que j'aime souvent prendre. Quand tu as une plaie purulente, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut l'ouvrir et la nettoyer. Tu ne peux pas juste l'ignorer. Il faut l'ouvrir et la nettoyer. Merci Nafissa de leur dire. Vous ne voyez pas tout ce qui se soulève sur la toile si depuis là? En tout cas, on est là, non? Allons seulement. Je suis venue pour faire le ménage. Je suis venue faire le ménage.
quand j'ai voulu mettre mon cœur dedans, les sentiments, dit que non, l'autre, c'est ma Mojang. Vous étiez les premiers à écrire ici. Que oui, pourquoi tu parles les autres et elle, tu ne parles pas. Hein? Tu n'es pas impartial. Ça, c'était les premières alertes. Vous voyez, vous savez que les ancêtres parlent d'une manière ou d'une autre. C'était les premières alertes pour me dire que tu n'es pas là où on t'a demandé. J'ai dit que non, pardon, laissez-moi. Ils ont dit que, ah bon, hein? Tu ne veux pas obéir. Et voilà pour toi. Laisse encore, on voit alors. Maintenant, tu vas faire comment? Tu es obligé de parler parce que tu as diffamé. Oh, ah. Ce que tu dénonçais là-bas. Voilà ça qu'on est en train de te faire. Diffamation, intimidation, chantage. Et tu dis que tu vas laisser. Il dit, ah ouais. Ah ouais. Eh bien, tu n'avais plus le choix. Allons-y. Tu fais du sale en voulant faire le ménage. Tu n'es pas mieux que ces filles. Je suis mieux qu'elles. Je suis mieux qu'elles. Parce que j'ai autre chose à offrir. Qu'elles n'ont pas. Donc, je suis mieux qu'elles. Je suis ce qu'elles sont, si ça vous arrange. Mais je suis encore plus que ça. D'accord? Voilà. Et quand elles auront débarrassé le plancher, il n'y aura plus de raison que je me retrouve encore dans ça. Je vais faire ça avec qui? Si les intellectuels prennent le dessus sur la toile, avec qui est-ce que je vais me chamailler comme ça? Il faut d'abord que ça pète. Il faut que ça chie un bon coup. Et après, c'est bon. Chacun de nous a une mission. Observe bien son numéro, le chemin de vie nous le montre. Voilà. Je vais faire du sale. Oui, parce qu'on combat le feu par le feu. Fire by fire. Ok, il ne va pas venir avec la Bible quand quelqu'un est en train de mentir. Tu vas dire quoi à quelqu'un? Tu vas parler quoi de saint à quelqu'un qui est en train de mentir? Donc quelqu'un qui n'a aucune morale même dans le débat. Tu veux faire quoi? Laissez-moi ça, dis donc. Moi, ce qui m'énerve, c'est que vous essayez de me manipuler. C'est pour ça que vous insultez toujours, parce que je déteste la manipulation. Quand la manipulation est quelque part, ça mérite. Ça mérite. C'est pour ça que je commence à péter un câble. D'accord? Ce qui m'énerve, c'est que vous tous qui venez me conseiller gentiment, c'est vous les gens que je ne voyais jamais avant, quand je ne parlais pas de tout ça. Quand je fais même aujourd'hui les postes de musique, je ne vous vois pas. Donc, je sais que vous êtes là seulement pour me manipuler parce que vous avez mal sur le massacre que je suis en train de faire sur votre saleté là. Et ça, vous essayez de me manipuler, faire comme si c'est pour mon bien. Vous m'aimez trop? Vous ne m'aimez pas? Vous étiez où avant donc? Vous ne m'aimez pas? Vous ne m'aimez pas? Donc vous pensez que moi, je vais vous écouter et laisser les gens qui sont avec moi ici depuis, dans les hauts et dans les bas, ceux qui m'aiment vraiment, parce que c'est ceux qui m'aiment vraiment qui peuvent me donner des vrais conseils et ceux qui me connaissent, qui me comprennent, qui peuvent me conseiller. Vous, vous ne me connaissez pas. Vous débarquez de nulle part et vous voulez parler de moi. Vous connaissez d'où je viens? Vous savez ce que j'ai fait avant? Vous avez visité ce que je fais d'autre? Non. Mais vous venez vous installer, vous jouez les saints. Quand vous êtes dans vos quartiers là-bas, vous chamaillez au quartier, quelqu'un vient vous arrêter? Quelqu'un vient vous arrêter? Non. Si c'était la veuve qui était en train de gagner, c'est que vous n'êtes pas en train de parler là. Hier, vous étiez tous là-haut, oh, tu pleures, jusqu'à toute la journée aujourd'hui, je lisais ça partout. Tu pleures, tu pleures. Maintenant que je vous fais l'île juste, c'est que non, tu devrais pas, tu fais pareil qu'elle. Non, je ne fais pas pareil qu'elle. Moi, je n'ai pas mis les nudes de quelqu'un dehors. Moi, je n'envoie pas les nudes des femmes à d'autres et encore moins celles de mes amis. Moi, je n'intimide personne. Je ne fais du chantage à personne. Je ne mens sur personne. Donc, non, je ne suis pas comme elle. Mais j'ai la même force de frappe qu'elle. C'est ça la différence. Arrêtez avec vos manipulations. Ça commence à bien faire. On n'aime pas quelqu'un dans l'ombre. Quelle ombre? Donc tu sors de l'ombre aujourd'hui que je clash. Les jours où je mettais ma musique, tu ne venais pas. Pourquoi? Donc quand elle met ma musique, tu restes dans l'ombre. Et quand elle clash, c'est là que toi tu sors. C'est là que tu viens mettre ton énergie. Quand je mets la musique, tu ne mets pas d'énergie en moi. Tu ne partages pas. Tu ne commentes pas. Tu ne likes pas.
Et quand je viens classer, là, tu prends ton énergie, tu viens déposer dans mon commentaire, en commentaire, et tu vas dire que tu es spirituel. Tu vas dire que tu es spirituel. Combien de fois as-tu partagé une seule de mes chansons? Mes chansons sont sur YouTube. Tu es allé sur YouTube, tu as vu les clashs. Les chansons sont là-bas. Non. Voilà. D'accord? Est-ce que ce que je dis là, ça fait sens? Ça a du sens pour vous? Moi, quand j'aime quelqu'un là, quand il fait bien, j'appuie sur le bien qu'il a fait. Quand il fait mal, je supporte, il me dit, bon, ça va passer. Si ça ne passe pas, je vais dans l'IB de la personne. Je vais dans son inbox pour lui dire que pardon. Pardon, ma star. Non, mais tout dépend de la manière dont on dit les choses à quelqu'un. Tu es sûr que je n'écoute pas ta musique? Je suis sur YouTube et j'écoute. Oui, mais ça ne veut rien dire. Ceux aussi qui sont ici avec moi, ils écoutent aussi. Je t'ai demandé si tu partages. Je t'ai pas demandé si tu écoutes. Je t'ai demandé si tu partages. Quand je fais donc des choses bien, tu les écoutes, tu gardes pour toi. Tu as partagé. Est-ce que ton rôle en tant que spirituel, c'est de garder ce qui est bien pour toi? Ton rôle en tant que spirituel, c'est de prendre ce qui est bien et de partager avec les autres. Par contre, là, pour venir me descendre dans mon propre live, tu mets de l'énergie. Sur YouTube, tu as commenté la musique? Tu as commenté le clip? Je suis sûre que non. Tu n'as pas commenté le clip, mais tu viens commenter ici le clash. Tu viens commenter le clash. Tu choisis de donner la force au clash, de donner ton attention au clash, de mettre ton énergie dans le clash. Et en plus, tu négliges ma mission. Tu sais ce que je suis en train de faire? Tu es là depuis le début? Non. Nafissa t'a parlé, tu ne veux pas comprendre. Tu ne veux pas comprendre. Donc, il faut arrêter. Le rôle des neufs, c'est de soutenir les autres. Ce n'est pas d'être là en spectateur. Et puis, dès qu'il y a un ham, tu viens critiquer. Ce n'est pas ça le rôle des neufs. Le rôle des neufs, c'est de booster nous les autres là. C'est ça votre rôle. Et les jugements, ça n'a pas lieu d'être en spiritualité. Chacun est comme il est. C'est tout. Chacun est comme il est. C'est la première chose qu'on apprend en spiritualité. Viens comme tu es. On ne juge pas. Si tu étais vraiment spirituel, tu crois que tu es spirituel, tu ne l'es pas. Moi, je te le dis. Tu as fait beaucoup de... En 2, 3, 4 là, je peux te dire que tu crois que tu es spirituel. Tu conçois encore la spiritualité comme la religion. Tu n'y es pas encore. Mais j'ai la foi. Ça va aller. J'ai la foi, ça va aller. Je vais gagner. Vous voulez que je me concentre dans la musique? Envoyez l'argent, je vais produire la musique. On ne fait pas la musique avec les cailloux. On fait la musique avec l'argent. Donc, quand il y a l'argent, je pars en studio, j'enregistre. Quand il n'y a pas, je viens, je m'assois, j'attends qu'il y ait l'argent. Donc, vous voulez que j'aille en studio? Envoyez l'argent. Parce que quand moi, il part là-bas, je dois payer. Que concentre-toi sur ta musique. On dirait que j'ai un studio qui m'attend là en bas. Chaque jour, je peux descendre, aller chanter gratuitement là-bas et enregistrer mes chansons. Voilà, comme ça. Je peux enregistrer un clip, tourner un clip. Voilà, me voilà, actuellement, je cherche un réalisateur. J'ai envoyé mon son à deux réalisateurs. J'attends leur retour depuis là. Ils prennent leur temps. Ils doivent faire quoi? Ils doivent aller les agresser. C'est aussi du travail. S'ils ne me répondent pas, je vais devoir reprendre mon ordinateur et me mettre à chercher un réalisateur. Un réalisateur que j'ai les moyens de payer. Un réalisateur que je peux payer. Voilà mon travail. Donc, quand on me dit que concentre-toi sur ta musique, j'aimerais savoir comment vous faites pour savoir que je ne suis pas concentrée. Comment vous pouvez savoir que je ne suis pas concentrée? Quand je ferme ma caméra, est-ce que vous savez ce que je fais? Quand j'ai sorti Mbouma, j'étais tout ici en direct, vous saviez que j'avais écrit ça? Vous savez combien de chansons j'ai déjà enregistrées pour l'album? Ou bien parce que je ne sors pas, ça veut dire que je ne travaille pas. Je travaille, ça va sortir le moment venu. Selon mes prévisions. Donc arrêtez de faire comme si vous pouvez aimer ma carrière plus que moi. Ce n'est pas possible. C'est moi qui investis tout ce que j'ai dans ma musique. Donc vous ne pouvez pas aimer ma musique là plus que moi.
Alors que je fais, c'est moi qui fais les sacrifices pour cette musique-là. Je ne suis pas produite, c'est mon argent qui me produit moi-même. D'accord? Donc arrêtez un peu. Vous m'aimez trop. Laisse-moi les conseils là. Ce n'est plus un conseil, c'est déjà un ordre. Vous ne pouvez pas me donner un conseil plusieurs fois. Tu me donnes un conseil un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, cinq jours, chaque jour, c'est quoi? Ça devient du harcèlement, ce n'est plus un conseil. Tu me conseilles pourquoi? Conseille-moi si j'en ai besoin. Qui t'a dit que j'en ai besoin? Ce n'est pas juste un conseil, c'est un jugement. Quand tu dis que concentre-toi sur ta musique, ça veut dire que je suis déconcentrée. Donc ce n'est pas un conseil. C'est une critique très mal placée parce que tu ne vis pas avec moi. Tu ne vis pas avec moi. Tu ne sais pas ce que je fais ici là quand je ferme ma caméra. Quand je sors la musique, vous croyez qu'on fabrique une musique en un jour, une chanson en un jour? Je répète, vous savez combien de chansons j'ai déjà enregistrées là qui sont aux frais, qui attendent? Non. Alors arrêtez de me saouler avec ça. Que concentre-toi sur ta musique. Je suis concentrée sur ma musique. C'est à cause d'elle que je suis sur la toile ici. Si je ne faisais pas les lives, personne d'entre vous n'allait connaître ma musique. Personne d'entre vous n'allait écouter ma musique. Personne. Si j'avais seulement déposé le son sur YouTube, vous alliez partir chercher Oshiga. Que vous me connaissez où? Vous alliez partir chercher mon son? Jamais de la vie. Si vous pouvez aller chercher mon son sur YouTube aujourd'hui, c'est parce que vous m'avez connu sur Facebook. Donc laissez que d'autres aussi me découvrent. Vous m'avez connu, je dois arrêter de faire les vidéos et me concentrer sur ma musique. Non, je n'ai pas fini. Il y a d'autres aussi qui ont besoin de me connaître. Donc vous allez patienter. Quand la musique sera prête, elle va sortir. Je travaille. Ne vous inquiétez pas. Je travaille. Quand tout sera prêt, quand tout sera bon, je ne vais pas sortir pour sortir. Je dois sortir quand tout est bon. Quand tout sera bon, je vais vous sortir ça. D'accord? Je vais vous sortir ça. Tu me connais depuis, tu me dis alors de me concentrer sur ma musique. Pourquoi? J'ai sorti 4 singles en 2 ans. Tu connais beaucoup d'artistes indépendants qui peuvent le faire? En étant dans leur salon comme je suis avec vous tous les jours là. 4 singles en 2 ans. Je suis allée tourner mes clips au Cameroun. C'est toi qui payes les billets d'avion? C'est toi qui payes les réalisateurs? C'est toi qui payes le studio d'enregistrement? Ou bien vous croyez que c'est gratuit en fait? Vous croyez que c'est gratuit? Tu es même abonné à ma chaîne YouTube. Tu dis que tu me suis depuis. Moi, je ne reconnais pas ton compte. Je ne te reconnais pas. Vous appelez quoi suivre quelqu'un? Si tu me suivais, tu saurais que j'ai un album qui est en préparation. Si tu me suivais donc vraiment depuis toujours, tu saurais que j'ai un album qui est en cours de production. D'ailleurs, le lien est là. Ceux qui veulent contribuer. Donc, si vous aimez trop ma musique là, au lieu de bavarder ici pour ne rien dire, voici les choses concrètes. Allez mettre l'argent dedans, je vais aller au studio avec. C'est de ça qu'il s'agit. Allez, won, 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 comme le train magie là pour rien, mon frère. Venez faire des actions concrètes. On ne bavarde pas pour rien. Trop parler là, ça donne dagbe. Voilà les liens. Cliquez dessus. Soit vous allez sur PayPal, soit vous allez sur Litchi, soit vous achetez les étoiles. Faites comme vous voulez. Mais venez donner votre contribution pour la musique que vous réclamez tant. Parce que la musique là, encore une fois, moi je n'ai pas de producteur. Ça veut dire que je pourrais m'asseoir comme ça, attendre qu'un producteur vienne me trouver. Simba il clashe ni nous cœur. Un dembouy manral. Simba il clashe ni nous cœur. D'un fondomi. Je n'ai pas encore commencé. Je n'ai même pas encore commencé à m'occuper de son fuck up. Bon, je vais vous laisser les gars. On a fait plus de 3 heures de live. La journée, ça a été lourde, mon frère. En tout cas, un ouvrier mérite son salaire. J'ai été bien payé aussi cette journée. Il ne peut pas me plaindre. Voilà. Merci beaucoup, 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 mes amours. Je pense qu'on va se voir seulement demain. Je vais vous laisser aujourd'hui. Vous êtes trop confisqués. Chouiko, peng, jino. Fate yam beme bou fondomi. Parce que chouiko, peng. Kwe we mboui. Beme mbo, nanouke, ang kambwa. Hein?
aussi pour ma misa, à cinq soube, peu foussier, il veille. Tu comprends? Vous cinq so. C'est à cause de toi qu'on va me tuer dans le pays ici. C'est à cause de toi qu'on va me tuer sur Facebook. C'est à cause de toi. Oh là là là. Oh là là. Tu es encore là? Moi, j'étais venue sur ta page à cause de ta musique. Dès que je me suis pointée, tu m'as chassée. Donc, tu as commenté ma musique et j'étais chassée. Maman, tu peux être un peu honnête parce que je vois où tu te balades partout pour m'insulter. Tu as fini de te balader partout, tu es encore revenu ici. Tu dis que j'étais chassée, mais tu es encore là. Pourquoi alors? Pourquoi tu es encore là, maman? J'étais chassée, non? J'étais chassée pourquoi? Comme tu dis que tu es venue pour ma musique, donc tu as commenté la musique et puis j'étais chassée. Tu as commenté la musique. Et puis j'étais chassée. Tu as dit que ta musique est nulle. Et puis moi, j'étais chassée. Parce que même ceux qui insultent ma musique ici, là, je ne les chasse pas. Car c'est notre moment. Nous avons trop souffert toutes ces années de préparation spirituelle. Merci, Nafissa. Faut leur dire ça. Moi, je me suis préparée avant de venir sur la toile. Nous, on n'est pas venus comme ça. C'est pour ça que ça va être difficile pour vous de me déstabiliser. Je me suis très bien préparée avant de venir sur la toile. Parce que je savais ce qui m'attendait ici. La peur est interdite. Chez vous, vous dites qu'on ne pleure pas, c'est interdit de pleurer. Chez moi, ici, le slogan, c'est interdit d'avoir peur. Interdit strictement, formellement d'avoir peur sur cette page. Nous ne craignons personne, sauf nous-mêmes, parce que nous sommes nos premiers ennemis. Oui. On ne peut pas se permettre de craindre les gens, sinon on ne va rien faire. Rien du tout. Un spirituel ne vit pas par la peur. Il peut vivre par la prudence, pas la peur. Aussi pour ma misa, à singu soube, à jinda son ambinu, à mbinu d'abord, à kou soundoma. Gelem souye, à kou soundoma. C'est pas elle, j'ai pitié d'elle. C'est pas elle, c'est que si pas lui porter plein là, elle va être dans la merde. Comme tu es une malheureuse, une misérable. Toi, tu es la femme dont tout le monde a pitié sur la toile, la veuve joyeuse. Tout le monde a pitié de toi. Chaque fois que quelqu'un parle de toi, première phrase qui sort. Ouais, me fait trop pitié. Ouais, me fait trop pitié. Ça veut dire que tu as échoué ta vie. Tu fais pitié à tout le monde. Tes petites soeurs, tes petits frères, tes grands frères, tes grandes soeurs. Tu fais pitié à tout le monde. Toujours en train de commander. Oh, madame Moudiki. Oh, Nathalie Moudiki. Pardon, c'est Nathalie Moudiki qui est venue me changer ma cuisine. Depuis 6 mois, depuis juin que je te connais, tu attends que quelqu'un d'autre vienne changer ta cuisine. Tu touches l'argent là, tu fais quoi avec? Me voici qui suis en train d'aménager ma maison. Et tout est neuf. Tout est neuf chez moi. J'ai filmé avec vous. Vous avez vu quand ça arrive. Toi, depuis 6 mois qui étais connu, depuis le 15 juin, depuis le 10 juin, tu as la monétisation. Tu attends quoi pour arranger ta sale cuisine? Tu attends le monde que quelqu'un d'autre vienne faire. Tu ne vis que par la pitié. Tu vas rester pauvre parce que tu es pauvre d'esprit. Parce que tu es une mendiante en esprit. C'est ta façon de vivre. Toujours t'accrocher sur les gens. Un vrai parasite. Je répète, ça fait 6 mois que tu es monétisé depuis le mois de juin. D'accord? Quand j'étais monétisé, moi je n'avais pas les publicités. Sur ma page, j'ai aménagé ici. Je suis restée ici plusieurs semaines avant que ma monétisation ne revienne. J'ai commencé à aménager le chez moi. Tout est neuf, j'insiste. C'est important. Tout est neuf. Tu comprends? Une saleté comme toi. Même t'investis sur la cuisine, ça t'a dépassé. J'avais dit quoi, Modjan? Comme ton agent va entrer là, prends ça, tu arranges ta cuisine, Modjan. Fais bien ta cuisine, comme ça tu vas faire les directs dedans, bien, bien, bien. Comme ça tu vas recevoir tes gens. Arrange ta cuisine. Non, tu ne veux pas. Il faut que ce soit l'agent de quelqu'un d'autre qui vienne le faire pour toi. Mendiante. Incapable de s'occuper de son propre bien-être. Seulement le corps, les perruques, le Ndjang sang. Arrange ton entourage, arrange ton environnement. Saleté. Et vous parlez des gens, vous avez dit à quelqu'un que tel est ceci, tel a les poils, tel a cela. Toi, tu n'as pas les poils, tu vis dans quoi?
Tu n'as pas les poils, tu dors dans quoi? Tu vis dans quoi? Hmm? Tu vis dans quoi? Tu fais quoi avec l'argent? Tu n'as pas de charge. Tu fais quoi avec l'argent? Tu n'as pas d'enfant à bas âge. Tu fais quoi avec l'argent pour ne pas arranger ta cuisine? C'est parce que tu es pauvre d'esprit que l'argent te fuit. L'argent n'aime pas les gens pingres avec eux-mêmes. Tu aimes acheter les gens, inviter les gens partout parce que tu veux les tenir. Je croyais que tu étais gentil, mais j'ai compris que non. C'est une stratégie comme tous les pervers narcissiques pour tenir les gens. Quand tu as vu que moi, l'argent ne me tient pas et que surtout, tu n'as pas les moyens de me payer. Voilà, tu n'as pas les moyens de me donner un argent qui peut me blaser. Quand tu as compris ça, tu t'es calmé. Tu as vu que ça ne marche pas avec moi, ça. Garde ton argent là-bas, arranger ta cuisine. Au lieu d'attendre que les gens partent du pays avec l'argent du gouvernement, avec l'argent du contribuable pour venir arranger ta sale cuisine. Même la cuisine là, tu fais. Tu fais. Tu viens t'asseoir. Tu parles des gens qui t'ont aidé. Tu penses que Dieu va t'aider? Tu penses que Dieu peut te récompenser? Quand tu passes ton temps à insulter toutes les personnes qu'on envoie t'aider, toutes les personnes qu'on envoie te faire du bien, tu finis par leur faire du sale. Et les gens qui te méprisent, qui t'écrasent, c'est eux que tu passes ton temps à racoler, à pleurer pour leur affection. Parce que dès que Flore va faire cac, vous allez voir. Dès que Flore va faire cac, tu vas courir. Parce que la réalité, c'est que c'est son mépris qui te fait mal. Même Chabim là, que je tenais sa page, sa pack, tes miettes, je vais faire quoi avec? Tes sales miettes, quand tu es arrivé, je n'avais pas de pub. Si je voulais voler ton argent, c'est à ce moment-là, quand j'étais engamée là, que j'allais prendre. Parce que ça a franchement diminué mes revenus. Ça ne m'a pas empêché de payer ma caution pour entrer ici. Ça ne m'a pas empêché de payer mon premier mois, mes deux premiers mois de loyer plein pot. Oui. Parce que quand tu viens d'entrer, tu n'as pas la PL tout de suite. C'est deux mois. Ça ne m'a pas empêché, alors que je n'avais pas les publicités, donc j'avais un manque à gagner depuis quelques temps, depuis quelques mois, trois mois. Trois mois sans pub sur ma page. J'ai réussi à payer ma caution pour entrer ici. J'ai réussi à payer mes deux mois de loyer sans APL. Mais voilà, j'ai réussi à mettre mes meubles dans ma maison. Ma télé est neuve. Mon canapé est neuf. Ma salle à manger est neuve. Mon tapis est neuf. Ma chaise, si ma table est neuve. Ma machine à laver est neuve. Ma cuisinière est neuve. Le lit de mes enfants est neuf. Leur matelas, neuf. Tu comprends? Une sapaque. Tu manges de l'argent depuis six mois là. Qu'est-ce que tu as aménagé chez toi? Tu as changé quoi dans ta cuisine avant que quelqu'un est venu t'aider? Tu as commencé où? Avant que quelqu'un est venu t'aider? Tu as commencé où? Avant que quelqu'un est venu t'aider? Tu es misérable. Tu n'as pas d'amour pour toi-même. Tu veux que ce soit les autres qui t'aiment. Pourtant, toi-même, tu ne t'aimes pas. Tu es là, tu as ta cuisine, tu attends que quelqu'un d'autre vienne faire. Si j'étais comme toi, n'est-ce pas, j'allais accepter que oui, je prends ton ordinateur. J'ai dit que c'est elle, même elle est comment. Elle a son truc là-bas. Moi, je n'utilise que les Mac. Ouais, c'est le meilleur pour nous, les créatifs. Ça, c'est le meilleur pour nous, hein, pour moi, hein, nous, les créatifs. Peut-être que c'est ce que j'ai connu en école de com. C'est ce qu'on utilisait, c'est ce que je continue d'utiliser. Je lui ai dit que non, mon ordinateur est trop cher. Moi, mon ordinateur, ce n'est pas un ordinateur de 500 euros. C'est à partir de 1500 en montant, selon les options. Et je lui ai dit que tu ne peux pas m'acheter l'ordinateur parce que je dois choisir mes options. C'est comme ça que j'ai dit pour bouter en touche. Je suis partie payer mon ordinateur toute seule, cash. Toi, une souffreteuse comme toi, tu ne peux pas arranger ta cuisine pour faire manger pour les gens ce que Dieu t'a donné un peu de savoir-faire là. Tu ne peux pas. C'est à moi que tu vas venir acheter l'ordinateur pour me tenir, pour que je continue de travailler pour toi et fermer ma gueule. Pour que quand tu appelles pour crier à minuit, je sois obligée de me taire parce que mon cœur tremble que tu peux prendre l'ordinateur ou tu peux sortir et dire aux gens que tu m'as donné l'ordinateur. J'ai dit non, maman, pardon. Je vais payer. Je m'aime trop pour m'infliger ça. C'est ça qu'on appelle avoir de la dignité et de l'amour propre. Amour propre. Tu vois un peu? C'est ça. Une sapaquerie comme toi. Tu attends que les gens viennent faire ta cuisine alors que l'argent entre. Et tu tires les valises. Tu fais entrer l'argent sur Facebook et tu ne peux pas arranger ta cuisine. Et madame maudit qui doit venir arranger ta cuisine. Elle va laisser nous les artistes pour venir t'aider toi. Hein?
C'était bon pour aujourd'hui. Au calme déclaration. Parce que quand moi je vais sortir, faudra pas pleurer. D'accord? Faudra pas pleurer. Ok? Elisabeth, degré bête. Tu as compris? Sapac. À demain, les gars. Je vais chercher à manger. Je vous aime très fort. Merci pour tout. Oui, à demain. À demain. Elle m'a bloqué. Une pub peureuse comme ça. Chouine. Tu me bloques pourquoi? Tu as peur de voir mes lives sur toi, non? Toi-même, tu connais. On va seulement venir te raconter là-bas. Tu as peur de regarder ton cœur tape dedans comme ça. Vous faites les durs là-bas. Donc, tu pensais vraiment que tu pouvais me tenir avec les petits trucs que tu as sur moi là. C'est mon gésier. Je donne à qui je veux. Oh, Yuna. Tu as compris? Voilà. Et c'est comme ça et pas autrement. Nafisa, call me when you can, sister. Bisous à vous. Je vous aime très, 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 très fort. Très, très fort. Vraiment. Comme le fou aime la poubelle. Je vous adore. Ça ne chauffe pas. D'un amour violent, d'un amour agressif. Oui. Dans mon agitation, là. Ça les énerve. Je suis agitée. Je suis comme ça, mais les gens m'aiment. Et ça vous fait mal. Oh, c'est Dieu donné. Pardon. Ok, quitte ici, là. Bisous, 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 bisous. À demain, mes amours. À demain.